je ne le vois pas, il est en bas à gauche. Ah oui, il est ici. Ouais, voilà, super. Ça te va, ouais, c'est validé, c'est bon. Eh bien, bienvenue ici à Super Dévoluy dans les Hautes-Alpes pour vous faire vivre ces championnats de France de course en montagne très attendus. On est très heureux de pouvoir vous faire suivre en direct toute cette matinée ces championnats de France, un programme très riche, vous allez le voir. Et je suis accompagné de Muriel Buffière qui est la directrice de course. Bonjour à tous. Merci beaucoup Muriel donc, qui a monté toute cette opération et qui va suivre aujourd'hui ces différentes courses et qui est également en charge ici du tourisme dans le Dévoluy. Donc déjà, merci de nous accueillir. Merci. Et puis, quelques premières impressions. Je crois qu'il y a plus de 800 inscrits. C'est déjà une grande réussite sur le nombre de dossards. Oui, je crois que vous avez bien résumé l'atmosphère du moment. On est vraiment ravis d'accueillir autant de coureurs. C'est le premier championnat qui compte autant de coureurs. Donc il y a vraiment un engouement ici en 2023. Ils sont tous en train de s'échauffer. La météo est plutôt sèche. Donc on a vraiment les pieds dans le plat. On peut peut-être faire des images d'ailleurs. On va demander. Hein, on a un dispositif d'ailleurs si notre cadreur Théo qui va être au départ. Voilà, on voit les images en même temps.
Je te laisse les commenter. Voilà, donc là, vous êtes vraiment sur, immergé avec nous sur la zone de départ et d'arrivée où les plus jeunes, les cadets, vont bientôt prendre le départ, hein, moins de 10 minutes désormais. Et la zone de départ et d'arrivée qui sera la même pour chaque course, qui sont, pour rappel, au nombre de 5. Alors, c'est la deuxième année, c'est ça, que vous organisez ces championnats de France de course en montagne. C'était il y a 3 ans, ici, et on se souvient, dans des conditions météo, il avait neigé. Exactement, des conditions un petit peu particulières. Souvenons-nous, en 2020, en mai, on avait dû retarder en fait cette édition en septembre en raison du Covid. Et effectivement, fin septembre, il neigeait dans le dévolué, donc un petit pincement au départ en se disant est-ce que ça va aller avec les 15 cm de neige qui étaient tombés, et Sylvain Cachard qui avait remporté brillamment cette édition en 2020. Alors on en profite, hein, on va beaucoup parler de la course, peut-être déjà nous parler un peu du Dévoluy et de Super Dévoluy, la station qui nous accueille aujourd'hui. Je l'ai dit, on est dans les Alpes du Sud, dans le département des Hautes-Alpes. Donc nous décrire un petit peu peut-être rapidement cette station, les activités d'hiver d'ici. On le voit d'ailleurs, vous le verrez, hein, c'est une station de ski, on est au pied des remontées, des télésièges. Voilà, donc le Dévoluy, c'est une seule et même commune avec 2 stations, la Joue du Loup et Super Dévoluy. Aujourd'hui, c'est Super Dévoluy qui nous accueille. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une station de ski l'hiver. Et puis, c'est surtout un massif qui vit toute l'année et qui vit au fil des 4 saisons avec des activités outdoor qui sont très nombreuses et qui sont parfois spécifiques. Je pense notamment au ski alpinisme qui vraiment à une place très importante chez nous, et puis la spéléologie par exemple, des spécificités qui sont vraiment propres à notre territoire. Alors justement, c'est un sport qu'on aime beaucoup, le ski alpinisme, on le suit beaucoup sur 8 Mont Blanc. Peut-être nous dire, il y a une très grande course ici, notamment, qui est organisée chaque année. Oui, chaque année, on le sait, hein, on accueille la Grande Trace qui donc une année sur deux part mois de février, qui part de Super Dévoluy une année, qui part de la Jarjat l'année suivante, et qui met vraiment en valeur les crêtes et les chourooms du Dévoluy. Pour rappel, un chourroom, c'est une cavité naturelle qui est propre au massif et qui met à chaque fois un petit coup de piment à ces courses, puisqu'on traverse les chourooms à ski. Eh bien, écoutez Muriel, on va vous retrouver de toute façon là, on va vous laisser. Donc j'imagine, en tant que directrice de course, beaucoup d'activités ce matin. On rappelle combien de courses ? 5 courses. Premier départ imminent. Voilà, c'est à 9h et on va le suivre justement avec nos 2 consultants, vous allez voir, qui viennent de la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme, hein, qui est évidemment avec vous le co-organisateur de ces championnats de France. Bien sûr, bonne course à vous. Merci Muriel, merci à vous. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne route. Je vais accueillir nos 2 consultants qui viennent. Donc Julien, j'allais dire qu'on ne présente plus, Julien Rancon, donc... Salut Julien, bonjour, merci d'être avec Pierre, nous. Bonjour, donc, à tous. Très grand coureur, membre actuellement, hein, de l'équipe de France de trail, oui. Donc, qui va aller faire des championnats du monde dans quelques temps. Et puis, donc, merci beaucoup d'être là. Tu vas pouvoir nous faire partager ton expérience, ta connaissance de la course en montagne. On est très, très heureux. Et puis, on est également donc, avec, merci beaucoup à elle, Laurence Vivier. Peut-être vous rapprocher, Laurence. Bonjour. On va se mettre tous les trois là, qui donc est la DTN de la Fédération Française d'Athlétisme, plutôt en charge du running pour les jeunes. Oui, c'est ça, donc en charge du running qui va de la montagne en passant par le cross et la route. Alors ça tombe bien parce que là, dans quelques minutes, à 9h pile, on va avoir une première course justement, une course des jeunes. Est-ce que voilà, vous pouvez nous la décrire? Alors cette voir. Course de cadets, donc il y aura plus de 70 participants, donc une grosse participation cette année. Et elle est sélective pour la Coupe du Monde cadet qui aura lieu à Annecy, donc dans 15 jours. Donc les 4 premiers seront retenus et sélectionnés. Donc c'est la course qui sera au Semno, c'est ça le parcours, oui, voilà, qui sera peut-être sur 8 Mont Blanc d'ailleurs. On est en train de discuter avec les organisateurs de la Maxi Race. Alors voilà, nous dire un petit peu les jeunes, là, combien ils sont, un petit peu le parcours qu'ils vont pouvoir suivre ce matin. Alors du coup, ils ont un parcours de 5,5 km donc à parcourir. Hein, donc en gros, ça va faire à peu près la moitié, 2,5 km de montée, une petite redescente, puis ça remonte à nouveau un tout petit peu avant de vraiment plonger sur l'arrivée. Un parcours qui est quand même assez technique par endroit, roulant par autre. Donc ça va être très varié. La plupart... n'ont pas forcément fait déjà de courses de montagne, donc ça va être une découverte. Et on espère que les meilleurs vont être devant, qu'il n'y aura pas d'accident de course surtout, et que tout se passera bien pour tout le monde.
Donc là, ça part à 9h, hein, donc tout le monde au départ. Oui, clairement. Donc dans ce peloton, on a quelques athlètes qui ont figuré dans les 50 premiers au France de Cross. On retrouvera Antoine Puy-de-Bois, qui vient donc de Saint-Giron, et puis qui avait fait 28e au championnat de France de Cross. On retrouvera également Oscar Cransac-Chérig, qui avait fait 29e au championnat de France de Cross, qui ont eu lieu à Carré cette année. Et puis quelques athlètes qui ont également terminé dans les 40, dans les 41, 42, 45e des France de Cross. Donc, mais ce n'est pas forcément aussi le classement cross qui va déterminer la hiérarchie sur la course de montagne. C'est tellement particulier que pour les cadets, ça va être pour nous une surprise, et on va attendre un petit peu les informations à mi-parcours déjà pour voir comment les athlètes vont gravir la première côte. Alors justement, peut-être Julien nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire, quelques éléments techniques pour ces jeunes qui partent, la stratégie, un peu plus de 4 km. En plus, tu connais bien le parcours. Oui, alors eux, le parcours est assez relativement simple puisqu'ils ont une seule montée puis une seule descente. La grosse difficulté, c'est de partir plutôt prudemment parce que la première partie de la montée est très très raide. On monte sur une piste de ski de ski alpin. C'est parti. Et donc on a la première moitié de la montée, environ 150 mètres de dénivelé, très raide. Ensuite on bifurque sur la droite avec un petit single qui alterne des portions raides et des portions un peu moins pentues. Et il y a quelques portions de relance, donc ça va être un peu moins difficile. Mais là, au bout de 400 mètres de course, la montée va être très très pentue dès le début et ça sollicite beaucoup la force et ça sera très préjudiciable de partir trop vite. Donc il va falloir attendre que la course se décante un petit peu. Alors un grand merci à Gontran qui est notre droniste en fait, qui travaille aussi à l'office du tourisme du Dévolu ici. Merci beaucoup à lui de proposer ces images du départ, donc le traversé de la station, et ils sont partis sur cette boucle. Le rythme là, ça va vite, hein? Oui, ça va déjà très vite. C'est souvent les jeunes, ça part toujours très très vite. Voilà, là ils viennent de terminer la portion quasi plate. Ils vont entamer la montée sur la piste de ski. Alors je précise, à droite vous avez un QR code. Avec ce QR code, si vous scannez avec votre mobile, vous allez pouvoir avoir la liste justement des inscrits qui sont donc chez AS de Pic, le partenaire donc, qui s'occupe du chrono des arrivées. Donc vous avez la liste des départs, vous allez pouvoir la suivre. Voilà, ben là c'est parti pour la montée sur la piste de ski. C'est tout droit, il n'y a pas trop à se poser de questions. Le terrain est assez propre. Et on voit que ça fait un très beau peloton. C'est je pense, une des plus grosses années chez les cadets en termes de participation. Et ben ça fait plaisir parce que l'avenir de la discipline passe par là. Et je crois que y a une bonne dynamique et ça montre que la discipline est sur une bonne voie. Alors peut-être, on le disait, ils viennent de toute la France, hein, c'est ça, hein, ces jeunes? Alors oui, il y a quelques locaux. Hein, là notamment, Gap a présenté 8 cadets donc, sur l'ensemble de la délégation qui vient de partir. On a aussi Clermont qui est arrivé avec 10 cadets. Donc entre Gap et Clermont, on a déjà presque un quart de la participation. Et ensuite, donc, on a des clubs de Grenoble, des clubs de Fonds, on a Font-Romeu, on a Évian également. Donc en équipe, on va retrouver Font-Romeu, Clermont, coureur du monde en Isère, Grenoble, Entente Ouest, Alliatlé, Évian, Gap Hautes-Alpes. Donc il va y avoir aussi une bonne concurrence par équipe avec des podiums qui vont être attribués à l'ensemble de ces clubs. Parce qu'il y a un classement par équipe aussi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc sur 3 athlètes, les 3 premiers rentrants, donc c'est des équipes de 4 et les 3 meilleurs comptent pour l'équipe. Et pour souligner un petit peu ce que disait Julien tout à l'heure, c'est vrai que l'année dernière, donc les 4 premiers cadets ont participé à la Coupe du Monde cadet et avaient terminé 3e, et ils seront dans les pelotons de la course junior. Donc ce qui veut dire que les athlètes continuent sur cette voie-là, et puis on en a après qu'on retrouve maintenant en senior. Donc l'idée, hein, on va avoir une deuxième course à 9h, dans quelques minutes, à 9h15, un deuxième départ, c'est ça, hein?
Oui, dans une dizaine de minutes, on aura les cadettes et les juniors filles qui font exactement le même parcours que les cadets. Donc 5,5 km avec 340 mètres de dénivelé. Donc les deux catégories, juniors filles et cadettes filles, courent ensemble. Alors pour vous donner une idée, donc les championnats de France avaient eu lieu il y a 3 ans ici, sur le site du Dévolué. Avec... On revient en direct, pardon, ouais. Sur des images de drone, je t'interromps, excuse-moi. Donc oui, je voulais dire que on connaît à peu près les temps de course, puisque à part le départ, le reste du parcours est à peu près identique. Donc c'était environ 27 minutes pour les cadets, et pour les cadettes et juniors filles, c'était autour de 31 minutes. Donc là, on va arriver déjà quasiment à la moitié de la première montée. On voit que le peloton est encore très très groupé. Voilà, ils ont bifurqué à droite sur le petit sentier. La pente va être moins régulière, avec plus des à-coups et des relances. Et on se rappelle, il y a 3 ans, il y avait beaucoup de neige sur cette partie du parcours, et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir de l'herbe et presque le soleil. Ouais, parce que hier, on peut le dire, on était un petit peu inquiet, il y a eu quand même un peu de pluie, voilà, donc du coup le terrain est assez gras, mais là on a de la chance, il y a quelques nuages évidemment, mais en tout cas il ne pleut pas, alors qu'on voit là, donc elle s'échauffe, elle se prépare pour le départ de 9h15. Ouais, ben là, elles se mettent quasiment sur la ligne de départ. Okay. Le départ est imminent. Mais en effet, je pense qu'elles se sont bien échauffées, puisque c'est des courses relativement courtes. Et avec la pente, il faut être bien échauffé. Donc, la température est fraîche. Il fait autour de 5-6 degrés ici ce matin. Je pense que ça va monter un peu dans la matinée. Mais on voit que tout le monde est relativement léger en termes d'habillement. On voit beaucoup d'athlètes en débardeur. Donc... pendant la course, il n'y aura pas de problème avec la température. Elles ont plus chaud que nous. En tout cas, de toute façon, un dispositif, je l'ai dit, assez exceptionnel pour vous faire vivre donc cette matinée dédiée donc à ces championnats de France de course en montagne. Vous allez pouvoir suivre toutes les courses. Et puis, donc, on a un dispositif sur le terrain avec 6 cadreurs coureurs qui sont tout au long du parcours. On a un drone, ici un plateau pour vous faire vivre en direct ces championnats de France qui sont diffusés à la fois en télévision sur 8 Mont Blanc, sur la page Facebook de 8 Mont Blanc, sur celle du Dévolui, et puis également sur 100% Outdoor, la plateforme de Sport Hall, et sur Athlé TV. Donc vous avez vraiment de quoi, que vous soyez sur une télévision, un mobile ou votre PC, suivre la course. On est très heureux de vous proposer ça. Et là, donc dans quelques minutes maintenant, le départ de ces jeunes filles. Oui, alors ça va être une course qui est bien relevée, puisque toutes les prétendantes de l'année dernière qui avaient participé aussi bien au championnat d'Europe qu'au championnat du monde sont présentes. On peut ajouter également la championne de France de cross, qui est Margot Dajou, qui est également présente, qui aurait pu se sélectionner l'année dernière, mais qui avait renoncé. Donc on a un gros niveau avec, donc chez les cadettes filles, on a 5 filles qui étaient dans les 11 premières au France de cross. Et chez les juniors filles, comme je vous disais, on a les internationales de l'année dernière, plus certaines filles, notamment Émilie Grassard qui a fait moins de 36 minutes sur 10 km. On a également Justine Chazal qui a terminé 5e au championnat de France de cross. Donc on a vraiment une très très belle course qui se prépare. Et donc il y a un double enjeu sur cette course, puisqu'il y aura la sélection chez les juniors filles pour les championnats du monde qui auront lieu à Innsbruck du 6 au 10 juin, et pour les cadettes filles, la sélection pour la Coupe du Monde cadet qui aura lieu en France à Annecy les 27 et 28 mai prochains, donc dans 2 semaines. Donc ça va aller très vite pour ces jeunes qui vont avoir juste une petite phase de récupération derrière, et puis une toute petite phase de repréparation pour les championnats, pour la Coupe du Monde cadet, qui est sur un profil relativement similaire. Donc ça tombe très bien, les deux profils sont, en termes de distance et de dénivelé, sont quasiment identiques. Donc si elles sont prêtes ici, elles seront prêtes pour la Coupe du Monde cadet. Ça va partir, hein, donc. On rappelle le parcours. Alors voilà, merci à notre réalisateur. On est sur le 5 km cette fois, c'est ça, hein? Est-ce qu'on est sur le bon parcours? Oui, c'est ça. Ouais. Merci à Damien, notre réalisateur, que je salue, qui est à Annecy, qui est avec Xavier. Voilà, ils sont tous les deux à Annecy, ils vous proposent ces images. Donc voilà le parcours. Donc la descente qui est un petit peu moins pentue que la montée, qui est très roulante au début, puis avec un peu plus de rupture de pente sur la deuxième partie. On espère que c'est pas trop boueux, on n'a pas eu trop de retours encore sur le parcours de ce matin.
Il y a une petite partie en herbe sur la fin de la descente. La montée, ça devrait relativement bien aller. Mais la descente est peut-être un petit peu boueuse. On va voir comment ça évolue aussi au fil des courses. Mais là, voilà, les filles sont sur le départ et on a hâte de voir aussi ce qui se passe dans la course garçon. On va attendre la course garçon. Elle va arriver là. On va la suivre. Vous allez pouvoir voir arriver dès qu'on fait ce départ des féminines. On va voir les garçons, on va pouvoir les raccrocher. Mais on va suivre, donc elles sont là, quelques minutes du départ. C'est 9-15, hein, donc on est... Non, c'est 10 normalement. C'est 10, pardon, excusez-moi, oui, c'est pour ça, je les voyais très... Ouais, c'est 10. Alors on donc, a 40... 2 minutes de départ. On a 43 cadettes et 24 juniors, ce qui fait un gros peloton encore de 67 participantes. Sur 67, cette ouais. Donc cette on le disait, il y a 800 inscrits, 800 participants à ces championnats de France. Donc on le disait avec Muriel Buffer, c'est une grande réussite. Oui, tout à fait. C'est vrai que surtout que il faut quand même venir jusqu'au dévolu. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, les clubs viennent d'un peu de loin et c'est pas toujours facile de venir en train. Donc il faut aussi acheminer tous les coureurs. Donc 800 participants, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement pour la course de montagne. Et c'est parti. Allez Julien, à toi le commentaire. Oui, bah c'est parti, comme tout à l'heure. Alors, la particularité de ce parcours, c'est une petite butte là, qui est placée une centaine de mètres après le départ. On va voir un peu comment ça se passe. Alors là, c'est encore des petits pelotons, mais tout à l'heure, il y aura des plus gros pelotons, notamment avec les seniors masculins. Et là, on dirait un départ de cross. Je pense que les cross women et cross men ne seront pas... Ce ne sera pas difficile pour eux, mais... Voilà, il y a une relance tout de suite derrière. Margot Dajou qui a pris la tête d'entrée de jeu. Oui, on voit déjà les Lily Beck, Pauline Trosselier, Fanny Sapé. Voilà, les favorites, je crois, ouais, sont déjà aux avant-postes. Ouais. Voilà, donc cette partie un petit peu plus plate là au départ, ça permet aussi d'étirer un petit peu le peloton et puis de finir de s'échauffer avant cette pente qui est très raide. Il y a 3 ans, le départ était un tout petit peu décalé, donc il va y avoir un petit peu de différence dans les chronos. Le terrain est un peu différent, il y avait beaucoup de neige il y a 3 ans, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Voilà, là ça traverse le front de neige pour démarrer sur la piste de ski. Et c'est vrai que dans cette ascension, il ne faut pas hésiter parfois à marcher rapidement et alterner marche-course parce que on s'épuise parfois à vouloir absolument courir, on ne va pas plus vite, donc j'espère que les athlètes auront ce bon réflexe à certains moments, notamment sur la partie haute de cette pente avant de réenchaîner sur une partie un peu plus large et un peu moins pentue. C'est vrai que, comme tu le dis, Laurence, la marche, ça peut faire partie de l'épreuve et quand on débute souvent dans ces disciplines-là, on le vit comme un échec et c'est pas forcément un échec. Au contraire, c'est des fois une manière de mieux gérer son effort, de faire baisser un petit peu la fréquence cardiaque, de solliciter un peu moins la force et de mieux relancer derrière. Donc ça peut vraiment être quelque chose de très stratégique et il ne faut pas le vivre comme un échec. Et on voit là que les filles, le peloton s'étire déjà un peu plus vite que chez les garçons. Alors, avec le drone, ça nous fait des belles images, plutôt en forêt dans la première partie, puis après ça va être un peu plus dégagé sur le haut. Ouais, un très très grand merci hein, donc à Gontran Isnard de l'Office du Tourisme du Dévoluy, qui est le content manager qui crée tous les contenus et c'est lui qui pilote et qui vole avec ce drone ce matin. Il est là dans ce live, donc merci beaucoup à lui. C'est vrai qu'on a la chance que le temps s'est un petit peu dégagé. Et de faire voler le drone, ça fait des belles images de ces pelotons. Sachant que pour l'instant, là, on voulait vous faire suivre les départs, les arrivées des jeunes. Et puis ensuite, le droniste va se déplacer. On va monter en haut sur les crêtes pour essayer de vous montrer des images, cette fois des élites hommes et femmes, qui passeront là-haut sur ces crêtes. Ouais, la crête des Baumes qui avait fait des superbes images il y a 3 ans avec la neige. Alors, ça sera un contexte différent aujourd'hui. On n'aura pas la neige, là. On n'aura pas la neige, mais on aura toujours le même cadre. Donc, ce sera de belles images aussi. Ce qui serait sympa, là, en attendant l'arrivée, justement, des cadets qui devraient arriver dans une dizaine de minutes, peut-être vous remontrer, si c'est possible, le départ, justement,
tout à l'heure, ils sont partis à 9h. Voilà, on revoit le replay. On monte sur une, je vous laisse le commenter. De ski alpin. Alors on voit partir. Donc on a la première moitié de. Alors je pense que la montée, on va repérer le 50 mètres de dénivelé. Très raide. Ensuite, on bifurque sur la droite et ils ont une occasion d'aller faire un petit tour. Des portions raides et des portions un peu moins. Mais ça permet aussi de savoir un peu où on est sur la distance et un peu moins difficile de déniveler si on n'a pas l'occasion. Là, au bout de 400 mètres de course, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de. La montée va vraiment savoir où on est, même si. Si on n'a pas, visualisé ou on n'a pas repéré tout le parcours. Voilà, alors qu'on peut profiter de ces images, merci à Replay avec notre technologie Grabio qui lui permet de vous proposer ces images. Et là, on revient donc en direct ici sur la ligne d'arrivée où dans quelques minutes, on devrait voir arriver les premiers cadets à rester avec nous. Peut-être tu parlais du parcours, le montrer. On va vous montrer une animation, la Fat Map qu'on a faite qui permet de voir le parcours. Alors là, c'est le parcours des élites hommes. Il y a une petite partie que les jeunes vont emprunter. Alors ils vont essayer de vous lancer ça. Ouais, ils empruntent la totalité tout le parcours cadet se situe sur le parcours homme. En fait, la première montée et la première descente sont identiques. On va le voir là, c'est parti. Merci à cette animation, Timothée Molinier qui a fait cette animation de notre équipe. Allez, on démarre d'ici. Ça va vite. Voilà. On revient, pardon, j'ai été un peu rapidement. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc le départ dans la station. Là, on monte sur la piste de ski, on bifurque un petit peu à droite. Voilà, le sommet. La première descente jusqu'au collet du Tats. La deuxième. Oh, ça va très vite. Ouais. On redescend dans la vallée au-dessous de Saint-Étienne-en-Dévoluy. La remontée jusqu'au collet du Tats. C'est un col qui bascule entre Super-Dévoluy et la Joue du Loup. Et on redescend sur l'arrivée. Donc voilà. C'est allé très vite. Allez, on peut le revoir une deuxième fois. Je vais demander à notre réalisateur. Excusez-moi si on peut le relancer. Comme ça, on va pouvoir vous le recommander si c'est possible. Ouais, super. Merci beaucoup, Damien. Donc voilà, Dévoluy dans le département des Hautes-Alpes. Un département qui accueille très souvent les championnats de France de course en montagne et de belles épreuves. Voilà, donc le départ dans la station. La première montée sur la piste de ski. On bifurque à droite. Voilà, la fin de la montée, la descente. La deuxième montée de 100 mètres de dénivelé pour les grands. Et c'est donc au pied de cette deuxième montée que les cadets bifurquent et reviennent sur la ligne d'arrivée et redescendent sur l'arrivée avec il reste à peu près un bon kilomètre une fois que ce fameux col du collet du Tats est passé. Voilà, alors la ligne d'arrivée, on les attend, hein, les jeunes ici, dans quelques minutes maintenant. Peut-être question évidemment assez classique, mais différence entre le trail et la course de montagne, toi qui pratiques les deux disciplines. Alors c'est essentiellement la distance. La course en montagne, c'est des distances relativement plus courtes. Il n'y a pas d'ultra. Il n'y a pas d'ultra, voilà. Non. On est sur des moins de 25-30 km, ouais, c'est ça, à peu près. Moins de 20 km moins en général. Moins de 20 km, ok. Le format classique des grands championnats, c'est aux alentours de 12-15 km pour les seniors. On rappellera, c'est 14 km pour aujourd'hui. C'est ouais, un petit peu moins, même 12 km. 12 km, ouais, ok, donc c'est ça. C'est 5 km pour les cadets, 7 km pour les juniors et 12 km pour les plus ou moins. On n'est pas sur des formats très rigides. Donc c'est plus court. Le trail, ça peut se pratiquer hors des montagnes. Le trail, ça peut se pratiquer sur la côte d'Opale ou en plaine ou en Bretagne. Alors que la course en montagne, il y a forcément un minimum de dénivelé. Et puis il y a aussi cette notion de semi-autonomie qui est présente dans le trail et qui n'est pas présente dans la course en montagne. Dans la course en montagne, on doit pouvoir partir sans ravitaillement sur soi. Il y a suffisamment de ravitaillements qui sont mis en place par les organisateurs pour partir sans rien et se servir sur les ravitaillements qui sont proposés. Et il y a les bâtons. Bâtons. Il n'y a pas de bâtons dans la course montagne. Sur les championnats de France, il n'y a pas de bâtons. Ouais. Théoriquement, historiquement, il n'y a pas de bâtons. Les bâtons sont interdits sur la course en montagne. Mais aujourd'hui, on voit que ça dévie un petit peu. Sur certaines courses, ils sont tolérés. Mais sur les championnats de France, en tout cas, et sur les championnats internationaux, ils sont interdits. Ouais. Alors, on va revoir en même temps, en attendant l'arrivée des cadets, le départ. On a quelques images là qu'on nous propose en même temps, justement. On attend l'arrivée des cadets. Peut-être en attendant, vous voyez ces paysages absolument magnifiques, même si c'est couvert. Vraiment, le territoire est très beau. On peut-être remontrer le replay du départ femme.
participants, ça veut dire qu'il y a... Évidemment. Non, non, voilà la première. Je dis une bêtise, pardon, excusez-moi. Et c'est parti. Si on peut revenir... Bon, voilà. Allez, Julien, pardon, à toi le commentaire. Ça, c'était le départ des jeunes filles. C'est parti, comme tout à l'heure. Alors, la particularité de ce... J'ai cru apercevoir le premier cadet arrivé. Alors, j'ai l'impression que les images étaient au collet du TATS, je ne sais pas si... Ouais, alors c'était des images du collet, si on peut revenir dessus en direct, excusez-nous, on est en live. Alors on n'a pas d'infos sur la tête de course. Voilà. Qui est passée. Donc on doit avoir le premier cadet qui est là, qui passe. Je vais essayer d'avoir de l'information. Alors de dos, c'est toujours difficile de reconnaître. Le maillot, un maillot rouge de... peut-être. C'est le deuxième cadet, nous dit-on. Le deuxième, c'est le deuxième cadet. C'est le deuxième cadet. Il y a des écarts. Donc des écarts ont été faits. Ça va très très vite. Hein. Alors c'est un peu en accéléré, mais. Donc de Saint-Girons. Un athlète de Saint-Girons, donc des Pyrénées. C'est assez remarqué parce que c'est toujours difficile de se déplacer d'un massif à l'autre. Les Pyrénéens sont là. Ça doit être Antoine Puy-de-Bois, voilà, qui était 28e au championnat de France de cross. Donc un bon crossman qui habite à la montagne. C'est pas surprenant qu'on le voit aux avant-postes. Donc a priori, il serait en 3e position pour le moment. Donc on voit un petit single. Il y a une toute petite remontée. Voilà, une toute petite butte. Et puis ça va continuer de descendre jusqu'au collet du TATS. Donc c'est dans la... C'est plutôt dans la première partie de la descente là. Donc c'est une descente qui est assez joueuse. Un petit single qui zigzague beaucoup. Donc il faut bien piloter. Ça va quand même relativement vite, c'est pas très très technique. Et on prend beaucoup de plaisir dans ces descentes là parce qu'il y a de la vitesse. Et c'est pas trop pentu, donc on se fait pas trop mal aux muscles. Et voilà, on est dans des paysages au milieu de. Paysage magnifique, hein, cette lande. Alors ça, c'est un coureur de Clermont. Alors c'est un des jumeaux Chartoir, je ne sais pas lequel. Alors si en plus il y a des jumeaux, forcément. Et oui, Fabien Chartoir qui était un ancien international de 100 km. Je ne sais pas s'il est là. Gaspard Chabanel, un coureur de volet athlétisme. Alors ça, c'était Roanne, il me semble. C'est difficile de reconnaître les coureurs. Un coureur d'Evian. Un local de l'étape. Un petit gars pensé. Je suis désolé, on a vraiment du mal à voir les numéros de dossard, donc on a du mal à vous donner les noms, mais sûrement que devant votre télé, vous les reconnaissez. Voilà, un gars pensé qui fait coucou, hein. Clermont Athlétisme, Villefranche peut-être. De nouveau Clermont, on voit qu'il y a énormément de jeunes de Clermont, et je crois que le groupe de Patrick Bringer est venu en nombre sur ces championnats de France, et c'est bien qu'il y ait des clubs qui aient une dynamique comme ça sur la course en montagne et qu'il y ait cette transversalité entre des disciplines comme la route et le cross et la course en montagne. Donc je crois que la course en montagne chez les jeunes, c'est pas forcément quelque chose de... ça peut être très intéressant, y compris pour ceux qui font de la piste et de la route. Ça développe des habiletés qui sont très intéressantes au niveau moteur, au niveau technique. Au niveau de la force, ça sollicite la force concentrique en montée, un peu de force excentrique en descente. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant et avoir un intérêt même pour des courses à plat. Et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez, et ça fait plaisir d'avoir des clubs qui font cette transversalité entre plusieurs disciplines. Et l'une peut servir à l'autre. Et c'est... Ça sert les deux disciplines. Ça nous permet d'avoir des très bons coureurs sur la course en montagne, et ça permet de développer des bonnes qualités pour les crossman ou les coureurs sur piste ou sur route. Voilà, merci. Voilà ces quelques images de ces cadets. Et puis là, on revient sur la ligne d'arrivée. Ah, on revient de nouveau sur les passages. Alors pardon, on est dans une zone où les communications sont pas excellentes, ce qui fait que c'est un petit peu haché, mais au moins vous pouvez voir ces coureurs. Peut-être que... Alors on a vu que c'était très, très espacé sur la première partie, puis là on a des petits pelotons. Alors tout le monde n'a pas les mêmes qualités, même si à l'arrivée, des gens qui vont arriver proches, il y en a qui ont des qualités plus de grimpeurs, d'autres plus de descendeurs, d'autres des qualités un peu plus mixtes. Donc tout le monde ne va pas avoir la même physionomie de course.
Mais ça peut donner à la fin le même résultat en ayant des qualités très différentes. Et aujourd'hui, on a souvent des coureurs assez polyvalents, ce qui était un peu moins le cas par le passé, où il y avait un peu plus d'alternance sur les championnats de France entre des parcours en montée sèche et puis des parcours en montée descente. Mais depuis que les championnats du monde se sont regroupés avec le trail, il y a les deux types de parcours sur chaque championnat. Du coup, on a souvent des championnats de France en montée descente. Et on a des coureurs qui sont finalement un peu plus polyvalents qu'il y a quelques années, où on avait des spécialistes de la montée qui n'étaient pas forcément très, très habiles en descente, alors que maintenant, les coureurs savent tout faire. On a beaucoup de je crois que c'était un coureur de Grésy Athlée, les Isérois qui sont aussi très voisins d'ici. Donc il y a pas mal de coureurs du bassin grenoblois. Que je vous propose en attendant l'arrivée des cadets, je vais demander, alors ça tombe bien, il est juste là, il a fait le déplacement à votre président, le président de la FFA. Je vais demander André Giraud, si on peut l'accueillir, il va être avec nous. On a la chance d'avoir le président de la FFA. Avant l'arrivée, bonjour président, merci bonjour. Beaucoup d'être avec nous, d'être ici. Je sais que c'est en plus. C'est une super dévolue, le dévolue, c'est une zone que vous connaissez bien. Oui, alors il y avait plusieurs raisons. D'abord parce que c'est ma région. Ensuite, j'avais assisté il y a 3 ans devant justement les écrans d'Athlé TV à la retransmission et j'avais trouvé que l'organisation était au top, malgré les difficultés météorologiques d'il y a 3 ans. Et de la neige. Voilà. Ouais. Et donc, lorsque j'ai appris que cette date était retenue, je l'ai coché sur mon agenda. Alors, on va suivre en direct l'arrivée, justement, sur l'écran ici, président, du premier cadet. Peut-être Julien qui va pouvoir nous rejoindre en même temps, comme ça, il va commenter. Donc, en tout cas, ce qu'on disait, président, c'est une course magnifique, 800 inscrits pour cette discipline, la course en montagne. Oui, un record de participation, une discipline qui est en plein essor et qui permet de valoriser tous nos territoires. Et Dieu sait que nous en avons pas mal sur le territoire national. Alors, on attend les coups de sifflet. Allez, je vais passer mon micro. Vous restez avec nous. Allez, vas-y, Julien, je te laisse commenter l'arrivée. Voilà, je pense que c'est Emilien Simoneau de Clermont Athlétisme qui est en tête avec sa casquette, qui est un très, très bon crossman, qui avait remporté avec son équipe les relais mixtes au championnat de France de cross. Et son frère est un international junior. Donc, c'est Emilien Simoneau du Clermont Athlétisme qui va remporter le premier titre de la journée, champion de France cadet. Voilà, sous les applaudissements. Voilà. On l'avait dit, clairement, qu'ils sont venus en nombre et pas qu'en nombre, avec beaucoup de qualité. Donc, j'imagine, président, on voit ça, c'est la jeunesse, c'est les cadets. On parle de trail, de courses en montagne. On voit qu'il y a un engouement des jeunes générations pour ces courses. Cette nouvelle forme de course et puis aussi d'athlétisme et de découverte de la nature et de la montagne. Oui, c'est tout à fait ce que nous recherchons. Alors, hop, le deuxième est là. Le deuxième vient d'arriver, voilà. Le deuxième. Donc, c'est Antoine Puydebois dont on parlait tout à l'heure, un Pyrénéen de Saint-Giron. Et là, il va y avoir un sprint pour la troisième place. Alors, j'ai pas vu le dossard. Alors, vous pouvez aller voir avec le. Vous scannez le QR code à droite et vous aurez les classements. Et on voit qu'il y a de la bagarre jusqu'au bout. Donc renouvellement, donc les nouvelles générations sont là sur ce trail, sur ces courses de montagne. Oui, c'est la traduction, c'est Mathis Chartois, la cinquième place. Disons, de la volonté que nous avons au niveau de la fédération d'ouvrir l'athlétisme à toutes les disciplines. Et c'est vrai que les courses nature en général, montagne, trail, sont en plein essor aujourd'hui. Et je me réjouis de voir qu'il y a eu un engouement extraordinaire pour ce championnat, en particulier chez les jeunes. Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie politique qui est conduite à la fédération pour développer toutes ces initiatives qui vont valoriser tous les territoires ruraux. Et l'athlétisme, c'est... Habituellement, on parlait de l'athlétisme à travers les records, la piste, mais aujourd'hui, l'athlétisme s'est ouvert sur d'autres disciplines. Il y a la montagne, le trail, il y a la marche nordique, et donc c'est dans ces axes-là que nous essayons de faire le maximum d'efforts. Et qui dit FFA, athlétisme, il y a évidemment l'olympisme aussi, en ligne de mire. Eh oui, la volonté, ce serait que ces disciplines deviennent des disciplines olympiques.
Et nous nous battons pour ça avec la Fédération internationale. Je sais que Sébastien Nicot y est très attaché. J'espère que ce n'est pas le cas pour Paris, mais qu'en 2028 ou au plus tard 2032, toutes ces manifestations intégreront l'Olympique. Et alors, vous avez fait une annonce d'ailleurs hier lors de la conférence de presse pour annoncer l'année prochaine à Annecy, un territoire à 8 Mont-Blanc qui nous est cher, les championnats d'Europe. Oui, nous avons été retenus pour organiser les championnats d'Europe aux montagnes et trail à Annecy, championnats d'Europe qui ont eu lieu à l'automne dernier aux Canaries. Et donc l'année des Jeux Olympiques, nous avons été candidats et Annecy a été retenue. Et nous allons vraiment travailler pour faire une très très grande fête justement européenne de toutes ces pratiques qui sont des pratiques nature, comme je disais tout à l'heure, que nous ne voulons pas laisser de côté. Merci beaucoup, président, d'être passé nous voir. Et vraiment, je voulais vous remercier au nom de toutes les équipes, parce qu'on sait que la FFA est une des premières fédérations à avoir développé le live, le streaming, avec Athlète TV, avec nos amis de Sportall, nous aussi sur 8 Mont-Blanc. C'est grâce à vous qu'on est là aussi, qu'on peut offrir à nos téléspectateurs ces images assez nouvelles. Donc, merci beaucoup et à très vite. Voilà, donc peut-être faire un petit point avec toi, Julien, et puis avec Laurence un petit peu sur, on a vu donc les cadets arriver un petit peu où on en est. Donc la victoire est revenue donc à Emilien Simoneau du Clermont Athlétisme Auvergne, qui décroche donc le premier titre de la journée, devant Antoine Puy-de-Bois du CA Saint-Giron. On va revoir le replay de l'arrivée. Allez, je vais demander à mon réalisateur, à Damien, comme ça vous allez pouvoir le commenter. C'est allé vite tout à l'heure. On va vous dire quand il y a le replay. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur les arrivées des différents cadets. Et donc, on va revoir le replay dans quelques secondes. Non. Voilà, juste quelques secondes, pardon. Le temps qu'on se cale en régie. On vous envoie le replay. Peut-être. On voit que le peloton était fourni et que ça arrive avec une très grosse densité sur ces places-là. On voit que les jeunes se donnent au maximum, même si ça arrive en descente et que le cardio est redescendu un petit peu. Chacun se bat jusque dans les derniers mètres. En attendant les images du replay, donc redire pardon, le podium cadet, excusez-moi. Marius, je confonds, c'est son frère. C'est Emilien Simoneau du Clermont Athlétisme Auvergne qui remporte le titre devant Antoine Puy-de-Bois et le sprint pour la troisième place. Alors du coup, on n'a pas eu l'information. Je ne sais pas si on a les classements. On va aller voir peut-être les classements. On va aller regarder les classements. Alors ça va jouer pour le podium, mais les quatre premiers seront sélectionnés en principe pour la Coupe du Monde cadet. Ouais, ce qu'on dit. Donc c'est Emilien. Desboudard, Mathieu de l'Entente Ouest-Allier Athlétisme, donc un Auvergnat. Encore, et ensuite Oscar Cransac Chérig qui nous vient de Rodez, donc le massif central qui est très, très bien représenté chez les cadets. Voilà, on l'a en même donc temps Oscar qui avait terminé 29e des championnats de France de cross. Donc ces quatre là sont qualifiés et ils partent à Innsbruck pour les championnats non, du pour la Coupe du Monde cadet qui aura lieu à Annecy. Annecy, oui, pardon, c'est les cadets. Dans deux semaines, qu'on suivra sur 8 Mont-Blanc. Pardon, on est avec les cadets. Oui, on le rappelle, sur ces courses, les quatre premiers de chaque course vont pouvoir faire les Coupes du Monde dans les différentes disciplines. Il y aura un comité de sélection qui va valider tout ça, mais devrait être sur ce. Voilà, donc vous voyez les quatre premiers, le classement est affiché. Donc 26-31, ça a été relativement vite, et il me semble que j'avais dit 27 minutes la dernière fois, en 2020. Alors il y avait de la neige, donc c'était des conditions un peu différentes, mais... le départ est un petit peu plus long, donc ça reste des très très bons chronos et ça nous permet de comparer un peu les générations, le niveau des différentes générations. Et qu'est-ce qu'on dit, c'est que ça va plus vite que c'est ça va assez vite hein, déjà chez les jeunes. Oui, ça va très vite hein. 5 km 7, 340 mètres de dénivelé en 26 minutes, c'est pour vous donner une idée du ratio. Ça va à plus de 12 km/h de moyenne, donc c'est des vitesses, vitesses très élevées. Les filles sont parties à 9h10, on les attend vers quelle heure ici sur la ligne d'arrivée? Donc on avait dit 31 minutes. Ah bah les voilà, on les aperçoit minutes, en direct, ouais. Elles passent là. 31 minutes il y a 3 ans, donc ça va être à peu près la même chose aujourd'hui. Donc j'imagine qu'on a les premières féminines qui sont ici. Une petite dizaine de minutes. Là, on est plutôt au cœur du peloton des féminines. Je pense que les premières
sont déjà passées. Si on peut nous indiquer, voilà, on doit être sur les premières féminines. On a un plafond nuageux qui est relativement bas. On a une lumière qui est basse. On a du mal à tout distinguer. Alors que devant nous, les cadets continuent à arriver. Bon, donc on attend les premières féminines dans combien de temps? Elles devraient arriver avant le départ des élites féminines. Hein, oui, dans une petite dizaine de minutes. Ça devrait être en simultané quasiment. On va avoir le départ des féminines, élites féminines, et l'arrivée des juniors cadettes filles. Alors le départ et l'arrivée sont côte à côte, donc ça va être sympa de voir... des arrivées en même temps que le départ. On voit les filles qui commencent déjà à se préparer. Voilà, c'est à la fois l'arrivée toujours des... Et la préparation, pardon, des élites. Hein. Oui, les filles qui ont déjà bien entamé leur échauffement. Hein. Je pense qu'on est à une bonne dizaine de minutes du départ. Elles partent à 9,45. Donc là, on est en train de s'activer un peu plus, de monter un petit peu le... Encore un cadet de Clermont qui passe. On le rappelle avec le QR code en bas à droite de votre écran. Vous pouvez scanner et aller chercher les images. Les scores, pardon. Alors on aura un peu plus d'images pour les courses élite hommes et femmes. Là je vous avoue qu'on n'a pas trop d'infos sur la course féminine encore. On attend avec impatience leur arrivée. En tout cas ça continue de défiler chez les cadets. Allez, on va pouvoir revoir le replay de l'arrivée qui des garçons très, très justement. Bon crossman qui avait remporté cadets. Avec son équipe les relais mixtes au championnat de France de cross. Emilien Simonneau, et son frère est un international. Sur le petit replat d'arrivée d'une petite centaine de mètres. Voilà, il était détaché, il peut savourer sa victoire. Il avait mis la casquette de la pluie peut-être, je sais pas. C'était pas pour se protéger du soleil, mais voilà, Philippe Pellois qui lui remet la petite étiquette de vainqueur. C'est le replay, hein. Il y a en direct en haut à gauche, mais on vous remonte l'arrivée. Décadé. Merci à notre réalisateur, à Damien et à Xavier de nous proposer, les deux réalisateurs, ces images. C'était il y a quelques minutes ici. Et le numéro 2. Donc Antoine Puy de Bois, deuxième, le Pyrénéen. Et le fameux sprint pour la troisième place. Pour le podium. Entre Thomas et Oscar. Super. Donc c'est Thomas qui va prendre la dernière médaille. Mais Oscar pourra se réconforter avec la sélection malgré tout, même si il est dedans. S'il a la médaille. La il n'est pas au chocolat. Sur le podium, mais il est sélectionné. Oui, je pense qu'il va s'en consoler facilement. Allez, on revient maintenant ici, peut-être montrer des images de la préparation des élites femmes qui sont en train de se diriger vers la ligne de départ. En attendant, je ne sais pas si Théo, notre cadreur ici, voilà, peut nous montrer quelques images en attendant que les premières féminines arrivent. On a encore un petit peu de temps de montrer les élites féminines. Donc les filles qui auront un parcours de 12 km 400 avec 780 mètres de dénivelé. Donc ce sera la première partie de la course des jeunes. Plus quand on arrive donc à ce fameux collet du Tats, le petit col, il y aura une deuxième bosse de 100 mètres de dénivelé. Puis une longue descente sur le bas de la commune du Dévoluy, un peu en dessous de Saint-Étienne. Et donc une remontée de 400 mètres de dénivelé avant la petite descente d'arrivée. D'un bon kilomètre, mais le gros sera fait quand on reviendra au deuxième passage au collet du Tats. Alors que le vent se lève un petit peu, ce qui est pas mal, ça fait fuir les nuages, ça les déplace, mais ça rafraîchit un peu tout ça.
Ouais, bon, je pense néanmoins, que la... tu l'as dit, des conditions qui sont plutôt très correctes pour la course. Alors, il y a toujours la question, parce qu'on a repéré un petit peu le parcours ensemble hier. Il y a des passages dans les descentes, c'est assez glissant. Évidemment, il faudra faire attention. Oui, alors on est sur un terrain assez calcaire, donc c'est plutôt sur des parties herbeuses où c'est un petit peu plus boueux. Mais dès qu'on reste sur du chemin avec du caillou, il y a quand même encore de l'accroche. Et puis aujourd'hui, on a quand même des équipements qui sont bien adaptés avec des chaussures, avec des crampons. Donc, en général, il devrait pas y avoir trop de problèmes. On n'est pas sur un parcours hyper technique, ça reste très courant. Donc tout devrait bien se passer pour tout le monde, on l'espère en tout cas. Oui, justement, ce plateau magnifique, effectivement. On le rappelle, on est en direct à Super Dévoluy dans les Hautes-Alpes pour vous faire vivre ces championnats de France de course en montagne. Vous avez pu voir partir les cadets hommes, garçons, filles. Et je crois qu'on voit voilà, les féminines arrivent. Margot Dajou, je pense, qui doit terminer cette course, si je ne me trompe pas. Non, ouais. C'est Pauline Tronsolier, je crois. Non, c'est Margot qui l'emporte. Ouais. Très, très bien. Voilà, en direct, la première féminine. Donc, la championne de France de cross qui vient être championne de France de montagne et Pauline. Qui, cette année, devrait nous dire OK pour participer au championnat du monde à Innsbruck. Suivie donc à une centaine de mètres par Pauline Tronsolier. Pauline qui avait fait partie donc, des équipes de championnat d'Europe et championnat du monde. Elles avaient été championnes d'Europe par équipe à Palma l'année dernière. Donc, on a encore une belle équipe qui se projette avec une troisième. Alors, je ne connais pas la troisième. Ça m'a l'air d'être une cadette. La troisième est une cadette. Donc, il y a des écarts, mais pas tant que ça. Donc, une bonne homogénéité dans cette équipe fille. Donc, les quatre premières seront retenues pour partir au championnat du monde. Et Lily Beck qui complète donc cette équipe. Donc, Lily Beck qui avait également été notre meilleure athlète l'année dernière sur les championnats du monde, qui avait terminé 8e sur la Coupe du Monde. Et qui avait 7e en Thaïlande l'année dernière. Les filles en Thaïlande avaient terminé 3e par équipe. Donc on va pouvoir voir dans quelques instants le replay de cette arrivée. Alors que vous voyez, en même temps, les courses se succèdent. Il y a les élites femmes qui sont en préparation. Et puis je vais accueillir en même temps, alors que Julien Rancon est parti, il va revenir dans une petite heure. Il est parti voir justement le départ des élites féminines. Il y a Olivier Guy de la DTN également qui va nous rejoindre. Venez Olivier. Alors que la voilà, cinquième féminine Olivier Guy qui va pouvoir arriver. Commenter également, qui est aussi à la direction technique nationale de la FFA, en charge de la course en montagne. Voilà, peut-être Olivier, alors qu'on voit sous les images la préparation des élites femmes, nous dire, on a vu donc, les arrivées des cadets, des hommes, des femmes. Déjà deux belles courses. Ah ben, ça fait vraiment plaisir de voir tous ces jeunes cavaler comme ça dans la montagne. En tous les cas, on a eu une course cadet formidable. Et puis là, les filles, ben, je pense qu'on va avoir au championnat du monde et probablement à la Coupe du monde cadet des équipes de très très haut niveau. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un peu des équipes, des favoris, des femmes, des élites là, qu'on attend ce matin dans la course? Oui, évidemment qu'on peut en parler. On a des filles et des garçons qui sont très très ambitieux, qui voient actuellement la dynamique qu'il y a autour de l'équipe de France de trail. Et les résultats qu'on a eus au championnat d'Europe l'année dernière, au championnat du monde, et on se rend compte qu'il y a une véritable envie de revenir en équipe de France pour certains, d'y rentrer pour d'autres. Et pour le coup, on a des athlètes qui sont extrêmement motivés. La dynamique est extrêmement forte, ce qui fait qu'on va avoir des courses spectaculaires. Là, je vois Adeline Martin, ex-Adeline Roche, qui a été championne du monde de trail, qui est là, qui est une vraie coureuse en montagne, qui a eu un enfant et qui a envie de revenir. On a vraiment des filles, il y a même des anciennes, il y a Céline Lafaille qui est là, qui ne lâche pas l'affaire. Bon,
on va avoir une course de très haut niveau chez les filles. Chez les garçons, ça va être un petit peu plus ouvert parce que les trois champions, les trois qui étaient sur le podium l'année dernière ne sont pas là. Sylvain Cachard a pris une autre option. Loïc Robert et Julien Rancon sont déjà sélectionnés sur le trail. Ce qui fait que c'est ouvert. Avec des, peut-être... Et Julien est en plateau avec nous. Du exactement. Coup, c'est... Avec Rémi Longchamp qui a eu des petits problèmes de santé, mais là, il se remet. Alexandre Dauphine, très motivé aussi, qui était au championnat du monde de course en montagne il y a quelques années, qui a eu des problèmes de santé également, il est en train de se remettre. Donc ils ont tous le mort aux dents, et ça va cavaler, hein, ça va vraiment être très impressionnant, je pense. Oui, on le voyait chez les jeunes déjà, ça va plus vite que prévu. Hein, donc on imagine que chez l'élite, ça va être la même idée. Peut-être parler, on a vu le parcours tout à l'heure, hein, donc les femmes et les hommes, donc les premières féminines devraient faire ça en 1h05, 1h10. C'est ça à peu près. Oui, c'est ça. Ça s'est gagné, je crois, en 1h05. La zone de départ n'était pas exactement au même endroit, mais ça va courir vite. Hein. On a une Christelle De Waal sur la ligne de départ que j'aperçois là-bas, qui est une spécialiste de la course verticale, mais évidemment qui est très forte en course montée-descente. La condition pour participer au championnat du monde sur la course verticale, il faut d'abord être sélectionné sur la montée-descente. Donc là, elle va tout faire pour être sélectionnée. Et si elle l'est, il y a quand même de grandes chances qu'elle fasse un gros truc parce que la course verticale des championnats du monde, c'est un format pour elle. Ça va partir là. Je te laisse nous commenter vraiment ces images. Ça va partir très vite. On le voit déjà. Elles sont dans l'attente du départ dans quelques secondes. Donc, élite femme, elles sont parties pour combien de kilomètres? 12,5, c'est ça. Et la particularité, c'est cette petite butte au bout de 100 mètres. Donc là... Il y a déjà un premier aspect technique dès les premiers mètres où il faut avoir des cadences élevées pour être très adhérent dans cette petite bosse. Ouais, parce qu'il y a déjà une bosse, hein, une première bosse. Il y a déjà une première bosse, c'est assez spectaculaire. Ben, on va les voir rentrer dans la bosse. C'est parti. Et déjà, les premières places se jouent là. Il faut être bien placé à la sortie de cette bosse. Allez, on va vous faire suivre avec nos équipes. Vous allez pouvoir, on a donc un premier cadreur-coureur qui est l'ami Mathis qui devrait... accompagner donc ces élites femmes sur une partie de la course. On l'attend, il va prendre le relais dans quelques temps. Vous allez voir, on va essayer de vous faire vivre ça quasiment en intégralité, alors qu'on aura tout à l'heure les élites hommes qui eux vont partir à 11h. Donc 9h45, voilà, c'est parti. Là, il y a donc Mathis qui les attend en haut de cette première montée et qui devrait courir avec elle. Et Christelle, on l'a vu prendre la tête d'entrée de jeu. Christelle, son avantage, sa force, c'est la montée. Elle est très très forte en montée. Elle se dit mauvaise en descente, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais il y a des filles un peu meilleures qu'elle. Donc notamment Élise Poncé. Donc elles n'ont pas exactement la même qualité. Mais Élise monte très très bien aussi. Vous imaginez bien qu'à ce niveau-là, elles sont louées partout. Elle fait beaucoup de ski alpiniste cet hiver. Donc elle a... Mais c'est une sacrée descendeuse aussi. Donc si Christelle veut gagner, il faut qu'à fatiguer Élise dans les montées pour envisager qu'elle soit un peu émoussée dans les descentes. Mais ça va se jouer. C'était un peu le même scénario la dernière fois entre Blandine Lirondelle et Christelle De Waal. Donc là, Élise qui revient vers la course en montagne, qui a été vice-championne du monde en Argentine en 2019. Donc c'est un pur talent aussi. On va voir, vous voyez, nos cadreurs sont sur la place pour essayer de vous faire vivre donc cette course. On continue. Et oui, hein, on est en haute montagne. Là, il y a ce qu'on appelle des zones blanches, donc c'est pas toujours facile de tout cadrer, mais en tous les cas, c'est un vrai bonheur d'avoir déjà des images. Voilà, on les attend ici, les premières féminines. Voilà Mathis qui les attend. Très important, c'est d'être bien échauffé, un peu l'image des athlètes qui font du cross-country, parce que ça part très très vite et ils sont directement dans la pente. Là, il faut avoir déjà fait des belles accélérations avant pour que l'organisme soit prêt à subir un tel effort. Donc là, on voit que ça monte bien. Il y a des cailloux, c'est pas très technique, néanmoins, il faut quand même bien choisir sa trace. Voilà, on arrive là. Normalement, elles vont bientôt tourner à droite, il me semble. Donc Christelle De Waal devant. Hein.
Allez, on monte avec elle. Alors Christelle est en très très grande forme. Son coach Antonio Gallego me disait ça. Elle fait des performances sur des courses verticales en ce moment d'un très haut niveau. Donc elle est costaud. Elle est costaud et là on le voit. Hein. C'est elle qui impose le rythme à la course. Il va y avoir des dégâts derrière. Alors évidemment avec les images ça écrase toujours un peu. Mais en tout cas ça monte sérieusement. Avoir une capacité à garder un tempo, pas lâcher le tempo, toujours le même rythme. Et voilà. Et mentalement, il faut être très costaud parce qu'il suffit de lever les yeux pour voir ce qui reste à monter. Mais Christelle, elle adore ça. C'est son truc. C'est son truc, la montée. Alors, on est très heureux de vous offrir ces images. On est en direct ici pour vous faire vivre la course élite femme de ces championnats de France de course en montagne en direct des Hautes-Alpes à Super Dévoluy. On est avec Mathis, notre cadreur-coureur, notre cam-runner. Mathis qui a... Bah, les cadreurs, ils ont une sacrée bonne condition physique et ils connaissent bien la montagne parce que eux, ils sont obligés de courir, mais pas dans la trace. Donc généralement ils sont dans l'herbe, dans les cailloux, pour pouvoir vous faire ce genre de plan. Et il faut avoir une un très 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 bon niveau. Et puis ils vont faire des navettes, hein, puisqu'ils vont redescendre pour les garçons tout à l'heure. C'est de la haute performance. Alors, aussi. Mathis qui est un fondeur, hein, il a passé l'hiver sur des courses de fond, il a fait 3e de la Transjurassienne, donc on a du gros niveau. Il avait gagné l'année dernière le trail de Pralognan. Donc effectivement. Et là, en plus, il va faire l'élitum ensuite et les arrivées. Merci à Mathis de nous proposer ces images. Christelle, vous voyez, son dossard dans le dos, elle est Master 1. Donc, on peut dire qu'elle a énormément d'expérience. Elle a eu beaucoup de sélections en équipe de France. Mais c'est une discipline où on peut durer aussi. Hein. On n'est pas obligé de se dire... À 25-30 ans, ma carrière se termine. On peut durer. L'expérience, plus cette capacité à s'adapter aux différents reliefs, bah ça s'apprend et on peut garder cette qualité pendant très très longtemps. Allez, c'est la montée, la première balle montée. Là, c'est très très pentu. Ouais, là, c'est vrai ça, que on voit. Bah, là, on voit assez bien avec l'image. Là, il cadre très très bien. Voilà, ça oblige parfois à marcher. Et en course en montagne, parfois, le fait de marcher, on a un meilleur coût énergétique que si on essaie de courir. Et d'accord. Puis l'efficacité est la même en fait. Hein. Alors, il y en a qui, bah, voilà, qui marchent un bon très conseil. Bien. Voilà. C'est pour ça que je marche moi généralement. Donc, j'ai un argument technique maintenant. J'ai le DTN qui m'a briefé. Ouais, et puis pour la, donc maintenant, je marche. Vous aurez bonne conscience en exactement. Plus. Exactement. Merci pour ça. Et en fait, pour quelqu'un qui a une bonne condition physique mais qui n'est pas montagnard, la question est où est-ce que je vais pouvoir courir ? Alors que eux, ils sont plutôt dans une démarche, c'est où est-ce que je vais marcher, quoi, ouais. En fait. Parce qu'ils arrivent à courir dans des endroits improbables. Mais bon, ça nécessite une préparation spécifique, hein. C'est comme tout. Hein. Ils sont très entraînés. Alors on voit bien le balancier des bras, les bras très hauts. Hein. Là, il y a de la technique, on voit que le geste est parfait. Ben, elle a, même en côte comme ça, elle a une très bonne économie de course. Et elle est sereine, on voit. Elle s'adapte tout de suite au relief. Elle marche quand il faut marcher. Elle met les mains sur les genoux, ça peut l'aider. Puis elle a déjà fait le trou. Hein. Donc, mais rien n'est fait quand même. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cailloux. Il peut y avoir des incidents de parcours. Sur l'orientation, il n'y aura pas de problème parce que c'est plutôt très très bien fait ici. Mais faut rester concentré, toujours en prise. Hein. Faut jamais se relâcher sur ce genre de parcours. Alors on repart sur un single. Cette fois, donc, on va être plutôt sur le plan. Et on va attaquer la descente. Voilà, ça grimpe encore bien. C'est très joueur comme parcours. C'est assez facile de garder un bon niveau de concentration parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas de grandes allées toutes droites. Ou parfois, c'est là où il peut y avoir des chutes parce qu'il y a un mode de... Enfin, pas une décontraction, mais une perte de vigilance.
Alors que là, ils sont obligés d'avoir toujours la lecture du terrain. C'est du pilotage en quelque sorte. On peut l'assimiler à du pilotage et encore plus dans les descentes, parce qu'il faut choisir ses trajectoires, choisir ses appuis, toujours avec un haut niveau de concentration. Et puis on le disait, il n'y a pas de bâton, contrairement au trail, dans la course en montagne, on ne peut pas se faire aider dans les montées de bâtons. Oui, en trail, alors il y a des coureurs qui prennent des bâtons, d'autres non, c'est au choix. En l'occurrence, sur la course en montagne, les bâtons sont interdits. Bah, les vitesses de déplacement, compte tenu du kilométrage relativement faible, on va dire, les vitesses de déplacement sont élevées et les bâtons, l'usage de bâtons avec les adversaires et tout, ça pourrait être dangereux. Alors vous êtes très très nombreux à nous regarder sur 8 Mont Blanc, en télé, sur les réseaux, sur Facebook, également chez nos amis donc de Sportall avec Athlète TV et puis avec 100% Outdoor. Je vous remercie, vous nous laissez des messages, il y a notamment les amis de la montée du Ventoux. Merci de mettre en avant notre discipline. Ben, merci à vous de nous regarder, de nous suivre, c'est très important pour nous d'avoir autant de spectateurs, de viewers. Que ce soit en télé, en digital, vous pouvez nous suivre, je l'ai dit, sur les mobiles, en PC, en télé, sur les différents réseaux, Athlète TV sur Sportall, 100% Outdoor également, et puis je l'ai dit, sur 8 Mont Blanc, sur les box au niveau national, en Hertzien, dans les Alpes du Nord, un peu au-dessus, en Savoie et en Haute-Savoie, et puis évidemment sur tous les pages Facebook, celle de 8 Mont Blanc, mais aussi celle de du Dévoluy qui accueille ici et qui organise ces championnats de France de course en montagne. Alors que vous êtes là donc avec la première, celle qui est en tête pour l'instant de l'élite féminine, qui est partie tout à l'heure à 9h45 de bas de la station du front de neige de Super Dévoluy. Et je suis donc avec nos amis de la Fédération Française d'Athlétisme, la FFA, et à la Direction Technique Nationale, Olivier Guy, qui est le spécialiste à la FFA de la course en montagne. Donc il n'y a pas meilleur commentateur que lui et consultant. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je suis le spécialiste, mais je suis bien aidé dans ma tâche par Julien Roncon. Vous avez pu écouter Julien aussi. Julien qui va revenir tout à l'heure aussi. Laurence Vivier qui s'occupe des jeunes. Antonio Gallego, qui est notre coach dans le cadre des stages d'équipe de France. On a vraiment des hyper spécialistes. Moi, je manage un peu toute cette équipe, et du coup, j'apprends auprès d'eux. Mais les vrais spécialistes, ce sont eux. D'ailleurs, puisque tu disais que tout à l'heure, il y a des gens, des organisateurs de courses qui sont en train de regarder, et ils sont très heureux de voir qu'on met en avant cette discipline. Sachez qu'on va essayer de redynamiser la Coupe de France de course en montagne, et on cherche des organisateurs dynamiques, motivés pour relancer cette course, puisque c'est le moment de le faire. La dynamique est là et il y a une appétence pour ces disciplines, pour l'outdoor, donc c'est le moment où il faut qu'on relance encore plus cette discipline. Les messages sont passés, ils sont nombreux à nous regarder. Ce que je vous propose, c'est de regarder le replay justement du départ de l'élite femme. Et la particularité, c'est cette petite butte au bout de 100 mètres. On dirait que c'était le replay, c'était à 9h45. Il y a déjà un premier aspect technique dès les premiers mètres où il faut avoir des cadences élevées, l'image des crosses très adhérentes dans cette petite bosse. Faire un parallèle entre le cross et la première bosse, c'est assez spectaculaire. Et on va aller voir rentrer dans la bosse, ce goulet des trois. Et voilà, c'est parti, une centaine de mètres. Déjà les 100 mètres. Là, la première difficulté avec cette petite montée très raide sur 15 mètres, mais c'est pas commun. Et pour le coup, ça donne une petite image, une petite particularité à ce parcours. Donc là, on sait que Christelle De Waal est en tête, mais on sait aussi qu'on a des filles de très gros calibre derrière, comme Élise Poncé. Donc on a hâte de voir où elles en sont. Magnifiques images, et on revient en direct toujours avec celle qui fait la course en tête pour l'instant. Pour l'instant, donc j'imagine qu'Élise est pas loin. On a Cécile Jarousseau, qui est une crosswoman qui a fait un très très gros championnat de France, donc qui a la capacité physique à tenir une course comme celle-ci, qui n'aura peut-être pas toute la maîtrise en descente. Je la connais pas, mais ça demande un peu d'expertise, donc je ne sais pas si elle a cette capacité, mais en tous les cas il y a des filles qui sont
super qui sont d'un très très haut niveau aussi. Donc on attend de voir les écarts et de vous en dire un petit peu plus. On va avoir le relais avec Simon, notre autre coureur. Alors Simon qui lui vient pas du fond, mais vient de la course d'orientation, une discipline aussi qui fait vraiment des coureurs, j'allais dire dur au mal, bon. Et qui va suivre cette jeune fille dans la descente à son tour. Mon équipe de France de trail, on a Fred Tranchant qui a été plusieurs fois champion du qu'on monde salue, de course. Alors il y a une course un peu en ce moment, en même temps à côté dans les Matézins. Ce trail, elle a fini troisième d'ailleurs la dernière course de Sky Race. L'ami Fred qui souvent court avec nous aussi, qui est un de nos cam runners, qu'on salue Fred, on croise les doigts pour la course tout à l'heure, sa Sky Race. Et les orienteurs ont une capacité à prendre des trajectoires directes souvent pour aller vers leur balise. Et il faut les voir en descente, hein, ils sont vraiment costauds. Hein, c'est... Alors, 8 Mont Blanc, on aime beaucoup la course d'orientation. On a diffusé différentes épreuves de la Coupe du Monde de CO encore cette année. Et je salue Robin Devrieux qui a créé Outdoor Sport Media avec qui on fait justement ces différents championnats de course d'orientation. Qui nous permet de les diffuser, de faire partager ce sport. Et on le voit, tu prenais l'exemple de Fred Tranchant, les passerelles entre effectivement le trail, la CO. Donc merci à Robin, c'est grâce à lui aussi qu'on a pu avoir ces cadreurs coureurs de qualité comme Simon. Ah, Christelle a jeté un petit regard vers l'arrière pour faire le Alors point. Alors on a le deuxième, on va pouvoir voir la numéro 2. Allez, le dossard, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu. Si on peut avoir je le dossard c'est de la deuxième... Cécile Jean-Rousseau, me semble-t-il. Pardon. J'ai cru voir le dossard 400. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout 400, à l'heure. 400, voilà, c'est ça. C'est bien Cécile Jean-Rousseau, qui est une crosswoman avec un gros talent. Et c'est intéressant de voir qu'elle est pas loin du tout de Christelle. Et rien n'est vraiment fait. Je vous dis, bon, Christelle descend très Allez. Bien, mais ce n'est pas son point fort. Donc... voir ce que ça donne. Allez, on est avec Simon, c'est parti, c'est à toi. Les orienteurs te regardent. En tous les cas, voilà, c'est monté très vite. C'est monté très vite. Et ça descend vite. Et c'est pas fini. Et c'est ce qu'on aime sur ce format. Quelles images, vraiment, c'est sympa, on est avec eux, on court avec elles. Merci beaucoup encore une fois à toutes les équipes qui nous permettent de faire ça. Vous proposer ces images, on est heureux de les vivre. Là, un peu de technique, monsieur. C'est assez roulant, il n'y a pas de difficulté technique. C'est là où il faut lâcher les chevaux, quoi, en fait. Il faut pas se poser de questions, il faut dérouler, tout en essayant d'être très économique, parce que la course n'est pas finie, il y a encore des difficultés derrière. Donc, ne pas se mettre dans le rouge, mais avoir le meilleur équilibre possible, avoir la meilleure vitesse possible en dépensant le moins d'énergie possible. Donc voilà, c'est de l'expérience, c'est de la technique. On peut considérer quand même qu'il y a vraiment besoin d'un entraînement spécifique pour ça et avoir une très très bonne lecture du terrain. Bon, bah Christelle se débrouille très bien. Vous voyez, elle commence à s'équilibrer avec ses bras. C'est important aussi d'être toujours en équilibre et puis avoir un appui bien solide. Et ça revient. Ça revient derrière, ça revient. Hein, c'est à côté, rien n'est fait. Alors qu'on voit Simon à gauche, vous voyez notre cadreur, coureur. Je ne sais pas si c'est Mathis encore qui est derrière, si on peut me le dire dans l'oreillette, sur Discord. C'est Mathis. Voilà, et ben là on a notre. Donc Mathis à droite et on a Mathis et Simon. Vous voyez donc notre cam runner. Alors... Ça y est, c'est lui qui reprend. Et puis derrière Mathis, c'est sympa ces images, qui est en noir. Alors là, on voit les deux premières, mais on n'aperçoit personne derrière. Elles ont fait le trou toutes ouais. les deux. Il n'y a pas Élise. Hein. Et ça court vite. Hein. Eh bien, on va savoir si Cécile descend bien. Hein. Vas-y. La réponse. Elle double, voilà.
Ouais, on l'a. Alors, vous avez vu, dans la descente, elle s'est fait doubler. Là, ça descend fort hein, quand même. Hein. C'est... Ça va vite, ça va très vite. Ça va très vite et puis il y a du dénive. Hein. Je sais pas si on a des kilomètres heure possibles. Et le cadreur derrière, il faut qu'il maintienne sa caméra dans l'axe. Oui, oui. Et que lui, en même temps, il ait un œil sur les cailloux. Donc, c'est, on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi une performance hein, de faire ça. Bon, il se relaie. Alors, je vous explique, on demande au cadreur s'il peut regarder. Non, là, j'ai pas le temps de regarder ma montre, les gars. On vous fait partager en direct les à côté. Merci à eux. Hein. Ouais, voilà le balisage, les petits fanions rouges du dévolu. Gros travail hein, qui a été fait hein, pour toute la signalisation. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé pour préparer ces championnats d'Europe. Ces championnats de France, pardon. C'est une grosse organisation. Eh bien, pourquoi pas un championnat d'Europe? Je suis déjà à l'Europe, voilà. Je pense à Annecy l'année prochaine. Là, ça court très vite. C'est beau à voir. Hein. C'est beau à voir. Et puis là, c'est vraiment du pilotage. Parce qu'à ces allures-là, il faut quand même avoir cette capacité à poser le pied au bon endroit. Dès qu'il y a des cailloux, etc., il faut pas faire n'importe quoi. Et pour le coup, ça s'anticipe. Le regard doit se porter assez loin. Un peu comme pour ceux qui font de la moto, c'est ce qu'on nous dit hein, quand on passe le permis moto. Vous devez regarder loin, porter votre regard là où vous voulez aller. Mais on est un peu dans cette logique-là sur une descente comme ça. Alors forcément, on est avec de la 4G, un smartphone. Voilà. Ouais, il y a une vraie distance. Hein, on voit qu'il y a une entre les deux. Hein. Oui, bah, y en a une qui monte très fort comme Christelle, qui descend un petit peu moins bien. Et puis Cécile, bah, qui a priori monte et descend bien. Ceci dit, là, on va avoir une grosse et belle, bien raide montée, qui est très raide, dans quelques minutes. Et moi, j'étais en train de me dire qu'on allait avoir encore une fois une très belle équipe de France au championnat du monde. Innsbruck, dans quoi dans... Du 6 au 10 juin. 6 au 10 juin, Innsbruck. Et donc les quatre, voilà, ils vont partir en stage, c'est ça aussi, si j'ai bien compris, dans quelques jours pour la préparation à ces championnats du monde. Voilà, dès la semaine prochaine, alors les meilleurs athlètes, on les a prévenus à l'avance pour qu'ils puissent réagir très vite et s'organiser. Ceux qui sont susceptibles de se sélectionner. On sera en stage dès mercredi prochain à La Bresse, dans les Vosges. On a un partenariat avec la ville de La Bresse pour accueillir l'équipe de France de course en montagne. Ce sont des séjours en... On va pas faire. Ils vont s'entraîner évidemment collectivement. C'est plus pour créer l'esprit d'équipe, la cohésion, et que les athlètes se connaissent bien, qu'ils aient envie de batailler pour des médailles par équipe. Et qui dit médaille par équipe, généralement, ça génère aussi des médailles individuelles. Donc, c'est une des forces, j'ai l'impression, de toutes ces élites, femmes, hommes, les jeunes aussi. On a l'impression qu'il y a une vraie cohésion, parce que c'est un sport évidemment qui est. Assez individuel, mais il y a aussi cet esprit d'équipe, notamment en équipe de France. C'est ce qu'on essaie de pousser, mais on n'a pas à les pousser beaucoup, hein, parce qu'ils ont tous un état d'esprit incroyable. Mais c'est ça. Philippe Propage, qui était l'ancien coach de l'équipe de France de trail avant Adrien Séguré, capitalisait beaucoup sur le résultat par équipe. Et ce que je viens de dire en disant, s'il y a un gros résultat par équipe, il y a toujours un gros résultat individuel dans le lot, quoi. Et pour le coup, ils ont envie de se battre. Et comme ce sont quand même des disciplines, notamment le trail sur des distances assez longues, où ils ont à un moment ou à un autre une baisse de morale, on va dire, parce que c'est très dur. Mais la troisième, pardon, je te coupe, elle est 395 en numéro 3. On va la voir. La troisième, 395. C'est Élise Poncé. Deuxième. C'est Élise. Ah, c'est Élise. Voilà. Il y a Élise. On va voir Élise. Donc pour finir, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui les porte à un moment. Et Élise, justement, a envie de revivre une sélection en équipe de France avec ses copines. Et elle est très motivée aussi. Bon, ben voilà. On a les trois. On a les trois. On vous fait vivre cette course en direct. Élise Poncé. Et derrière, on a... Alors, je ne sais pas si elle est derrière, mais Marine Yvet, qui était en équipe de France en Thaïlande. Au dernier championnat du monde, qui a une forte envie de revenir, de revivre cette expérience. Je ne sais pas où aller, mais en tous les cas, elle ne doit pas être bien loin. On va être la première qui va passer le col et qui va attaquer la montée. On va avoir des images. Voilà, qui va être ici. Ça, c'est sur la montée. Avec des images de Jeanne, merci beaucoup, qui elle aussi a une de nos féminines. Donc, c'est une de nos camerouneuses.
qui va nous partager ces images. C'est un parcours absolument magnifique. C'est... On est d'accord. Regardez-la, voilà. On la voit, elle arrive, la première, dans cette montée très très costaud. Alors les jeux ne sont pas faits, on va voir, parce que Cécile, elle est pas hyper spécialiste de la discipline. Est-ce qu'elle a présumé de ses forces en attaquant dans la descente? Christelle, elle en a peut-être gardé pour justement son point fort, c'est la montée. Donc on va voir ce que ça et va donner. Et il y a Élise qui est en chasse. Et Élise est en chasse. Alors non, là, c'est les photographes qui sont là. Ou des randonneurs qui se font plaisir. Ah, voilà Élise qui arrive au ravito. Donc elle va basculer et tout de suite derrière, ça remonte fort. Donc il y a une zone de ravitaillement. Voilà. Les athlètes doivent prendre un ravitaillement dans cette zone et exclusivement dans cette zone. Voilà, et ça monte, c'est là le départ de cette montée. Allez, petits pas, vous voyez les petits pas, des appuis qui s'enchaînent. Voilà. On va pas chercher à faire des grandes foulées, mais toujours moteur. Toujours on moteur. Va avoir la première, pour l'instant, qui va monter là. La voilà, alors, comme tu l'indiquais, elle est en marche, les mains sur les cuisses. Les mains sur les cuisses, ça aide bien parce qu'on peut pousser en même temps sur les cuisses quand il y a des très très forts dénivelés. Hein. Elle a creusé l'écart dans la descente, mais on voit Christelle juste derrière. Je ne serais pas étonné que Christelle revienne un peu dans cette côte. Ah, c'est intéressant de voir les différences entre les descendeuses, celles qui montent. On n'est pas sur le même rythme, vous voyez. Ouais, elle va très penchée. Formidable de voir cette bagarre. Et puis là, il y a du dénivelé. Là, ça c'est génial. Très, très, très fort. Hein. C'est absolument magnifique. Ouais, je pense qu'elle va revenir. Voilà, c'est formidable. Quelles images. Merci. On va avoir Élise Poncet qui est pas loin. Merci à Jeanne de nous proposer ces images, hein, notre cadreuse. La voilà. Et on va pouvoir les récupérer en drone, a priori, sur la crête. Alors là, il y a quand même des écarts relativement importants. Ce sera compliqué pour Elise de revenir, je pense. Ouais, elle est un peu plus loin. Hein. Ouais, même si dans la descente, elle a quand même des capacités de descendeuse incroyables. Mais là, elle est un petit peu loin. Quoi. En tous les cas, on a un beau podium pour l'instant. Hein. Ah, puis c'est tout près derrière. Hein. Alors que merci Laurence Vivier nous rejoint, te rejoint pour nous aider aux commentaires. Viens Laurence, regarde. Là on est avec la quatrième. C'est Élise ? Non, Élise est troisième. La quatrième, est-ce qu'on peut avoir le numéro de dossard du quatrième, s'il vous plaît ? C'est Nelly Clément qui est Nelly quatrième. Clément. Alors Nelly qu'on a en équipe de France depuis les catégories jeunes. Hein. Elle progresse régulièrement, cadette, junior. Là elle est encore espoir. Et donc normalement, si ça tient comme ça, et la Marie Nivet qui est là, qui était en équipe de France, je vous le disais tout à l'heure. Alors là, il y a qui part? Alors on a les un juniors. Départ en même temps, c'est les juniors. On va les vous aller, vous pouvez vous faire vivre. Vous voyez, il y a des courses, on a dit. Et on a les juniors qui vont partir là dans quelques minutes aussi sur l'écran gauche. Et Laurence est revenue puisque Laurence s'occupe des catégories jeunes sur la partie running, donc route, cross-country et course en montagne. Laurence Vivier à la FFA. Elle connaît bien tous ces garçons, elle connaît également beaucoup d'entraîneurs, elle est en contact des entraîneurs, etc. Donc une grande connaissance. Et là, on est sur notre vivier, hein, sur les futurs grands de la discipline. Donc à gauche, les juniors hommes. À droite, les élites féminines. Vous pouvez suivre, c'est la fête de la course en montagne avec ces championnats de France. Alors que le soleil arrive, alors que nous, on voit les deux premières. Et bien s'échanger, elle est repassée devant. Génial. Christelle vient de repasser. Bon, vous voyez, chacun ses atouts. Alors je vous disais, Cécile, vraie bagarre. Elle en a peut-être mis un petit peu trop dans la descente, on va voir ça. Mais peut-être que le scénario va se reproduire dans la descente qui va amener les filles vers l'arrivée.
Et là, pour le coup, si elle enclenche comme elle a enclenché tout à l'heure, il y a de grandes chances qu'elle soit devant à l'arrivée. Mais on va voir. Suspense, c'est ça qui est beau, hein. On adore ça. Hein. Oui, donc du coup, c'est super agréable de voir ces deux filles caracolées en tête. Cécile Jarosso avait déjà fait deuxième au championnat de France de cross. Elle a fait également deuxième au championnat de France de 10 km. Donc, je crois que si elle fait deuxième aujourd'hui, elle va avoir le sun. Donc, je pense qu'elle va doudonner. Et puis, elle a peut-être un peu plus de qualité de pistarde que peut-être Christelle pour peut-être, si elle la tient jusqu'au dernier mètre de la course, peut-être la battre au sprint, je ne sais pas. Mais je dirais que c'est un petit peu peut-être ce scénario qui peut se produire. Alors que les juniors vont partir. Oui, les juniors, donc 79 participants, donc un peu comme les cadets, un gros peloton avec des habitués. Hein. On va retrouver l'année dernière, donc Anatole Berthoud avait gagné ses championnats de France. Il sera à nouveau au départ avec une revanche à prendre puisqu'il avait terminé cinquième de la sélection pour les championnats du monde et il n'avait pas pu participer aux championnats du monde en novembre en Thaïlande. Donc il a à cœur, je pense, de se retrouver en équipe de France. Il avait terminé quatrième au championnat d'Europe. Donc ça sera, je dirais, le favori de cette course. Il a les cheveux roses. Il s'est maquillé pour la... Pour qu'on le reconnaisse à la télé. Il a les cheveux roses. Ouais. Alors, il se dit, ouais, ils n'arrivent pas à lire les numéros de dossard, je me mets les cheveux roses. Les cheveux roses, c'est moi. Anatole a quand même terminé 5e des championnats de France de cross. Donc, il a vraiment tous les atouts cette année pour réussir sa saison de montagne. On va retrouver aussi quelqu'un qui avait terminé 5e en 2022, qui s'appelle Arthur Fabrège. Donc, il y a un bon petit niveau aussi sur les courses nature. Et puis, le 6e en cadet. Magnifique, pardon, je t'interroge juste, on est en direct sur ces images de drone sur la crête. Pardon. Oui, c'est magnifique. On avait de la neige là. Tiens, on la voit, elle est ici, vous la voyez. Voilà, magnifique parcours, effectivement. Magnifique préparation de toute l'équipe du Dévoluy avec le club de Gap et puis l'équipe locale. Donc, on est accueillis à bras ouverts et j'espère que ça va donner envie à certains de venir passer des vacances par ici parce que, aussi bien pour la course, la marche, la randonnée, le VTT, c'est un spot merveilleux. Et en plus, on y mange bien. C'est la quatrième qu'on a vu passer là actuellement sur les images. C'est la quatrième féminine sur le drone qu'on accompagne. Nelly Clément. On la voit ici, sur au milieu des images. Alors, il devrait y avoir Nelly Clément. Peut-être si on peut avoir son numéro de dossard à la quatrième. Si on peut donner, s'il vous plaît, les numéros de dossard de celles qui passent devant les images du drone. Quatrième et cinquième, a priori. Encore une belle, bien belle course chez les seniors femmes avec, avec Christelle, qui avait été notre meilleure représentante lors des championnats du monde, aussi en montée sèche, qui avait fait une très belle course en terminant dans les 10 premières. Et là, cette portion de parcours, elle est incroyable. Je vous parlais tout à l'heure de pilotage. Là, ils sont sur des enchaînements de petits virages. Et là, pour le coup, s'ils sont encore bien sereins dans leur tête, ils doivent prendre énormément de plaisir parce que c'est exactement ce qu'ils aiment bien, quoi. Une trace en virage autour des arbres, etc. Donc la partie aérienne, nous, on la voit, mais eux ne la voient pas tel qu'on peut, nous, la voir. Mais en tous les cas, ils connaissent bien l'endroit, ils l'ont repéré. Et on les voit là, vous voyez, ça slalome pas mal. Il y a à aucun moment ils s'ennuient. Hein. Ils se disent pas, mais qu'est-ce que c'est chiant cette course, c'est pas possible. Il y a tout le temps quelque chose à faire, il y a toujours un appui à contrôler. Et puis là, on voit qu'il y a aussi des adversaires à contrôler. Donc ça,
ça amène quand même des images extraordinaires et beaucoup, beaucoup de plaisir aux participants. Voilà, vous les voyez, hein, les deux, elles courent, elles sont là. C'est des images magnifiques. On est très heureux de vous les proposer. Ça vous permet aussi de voir la qualité de ces paysages. On les voit, voilà. Ici, effectivement, c'est plus des images. Qu'est-ce que c'est beau! Il y a encore les couleurs de l'automne, presque. Superbes images, ouais. Fin du printemps. Et là, on est clairement sur ce qui se fait de mieux quasiment au monde. Hein. On a des filles qui bah, Élise Poncé a déjà été vice-championne du monde en Argentine en 2019. Christelle a déjà fait des médailles dans des grands championnats également. On est sur ce qui se fait de mieux et c'est vraiment du très très haut niveau. Je vous assure que ces filles-là, elles ont une capacité à courir vite dans des endroits où nous on ne met pas un pied. Hein. Le randonneur du dimanche, il se rend très très très... Enfin du dimanche. Le randonneur, hein, je ne dis pas ça d'une manière péjorative, mais quand il passe dans des endroits en marchant, parfois avec des difficultés, ben, elle, en tous les cas, là, elle passe en courant. Quoi. C'est très, très impressionnant. Comme ce paysage, d'ailleurs. Hein, c'est magnifique. Donc c'est la spécificité de cette discipline. On ne peut pas couvrir comme on pourrait couvrir une course sur route avec des motos, des caméras, etc. Il faut qu'on accepte ce type de retransmission parce qu'il est hors de question d'avoir des dispositifs avec des antennes un peu partout, etc. Donc bah, on a de très belles images, il faut qu'on se régale avec ça. Et on a malgré tout le top 4 et le top 5, on le connaît bien, on voit bien les enjeux. Je vous rappelle que les quatre premières seront sélectionnées pour les championnats du monde à Innsbruck dans un mois. On va faire un petit changement de micro, donc on va couper le son pendant quelques secondes. A tout de suite.
Là, je reparle. Damien, est-ce que cela, ça va? Voilà, excusez-nous, on a dû changer les micros. C'est voilà, évidemment toujours les aléas du direct. Je vous laisse, mais vous avez pu voir les images en même temps. On va accueillir Madame le maire du Dévelui, mais on refait un petit point sur la course. Ben là, à la reprise d'antenne, on voit Cécile qui est devant. En tous les cas, c'est elle qui est à l'image. Et on voit qu'elle est de nouveau dans une partie très montante. On voit que sa vitesse n'est pas élevée, donc il doit y avoir un bon, très très bon dénivelé. Mais on n'a pas d'infos, il faudrait que le caméraman se retourne pour voir si Christelle est là. Voilà, s'il peut nous entendre, savoir si Christelle est derrière, si notre caméraman, qui doit être Valentin ou Nicolas, merci à eux. Voilà, la distance est faite, vous avez la réponse. Eh bien, très bien, il y a une réactivité formidable. Donc, elle est devant. Alors, on va en profiter, alors qu'on est avec ces images, je vais accueillir Madame le maire. Venez, voilà, pendant qu'on va aller rechercher l'information, donc Madame le maire Alexandra Butel, très heureux de vous recevoir ici sur notre plateau en direct. Merci on beaucoup. Imagine, vous êtes très heureuse de voir oui. Cette course ici, donc ces championnats de France au Dévelui, organisés pour la deuxième fois. Oui, on est ravis effectivement d'accueillir ce bel événement. On est également très, très honorés que la Fédération nous a renouvelé sa confiance pour cette deuxième édition. Ça se passe bien. Les spectateurs sont nombreux. On prend beaucoup de plaisir également à regarder les images en direct. Et on peut noter aussi le travail remarquable de tous les techniciens qui nous permettent de suivre cet événement et d'avoir des paysages magnifiques du Dévelui. C'est une belle publicité pour regardez, le Dévelui. Madame. Voilà, tout à votre, fait. C'est chez vous. On est en direct, on est au drone. Et en plus, le droniste travaille à l'Office du tourisme. Oui, voilà. Oui. On lui fait un petit clin d'œil. Montrant Isnard, de vos collaborateurs à l'Office du tourisme. Ce sont effectivement de superbes images. Merci à tous ceux qui nous permettent de vivre ça en étant nous au départ. Mais j'ai quelques échos sur les sentiers où a priori il y a une animation aussi intéressante des spectateurs. Merci à eux, ils nous font vivre aussi de bons moments. Alors on l'imagine, on l'a dit, hein, donc le Dévelui, ici on est à Super Dévelui, c'est plusieurs villages ou hameaux regroupés sur une seule commune, le Dévelui. Donnez quelques chiffres en termes de population, qu'on ait une idée. Oui, alors on est une commune nouvelle, donc qui a regroupé 4 communes en 2013. Donc nous sommes 950 habitants à peu près. On a donc des infrastructures qui nous permettent d'accueillir aujourd'hui des événements tels qu'un championnat. Voilà, nous sommes une terre d'activité sportive et c'est super quoi. Alors il y a, j'allais dire, la France entière qui vous regarde, qui nous regarde là ici sur les réseaux. Leur donner envie de venir. Donc la saison de ski s'est terminée. Vous avez eu beaucoup de neige d'ailleurs, m'a-t-on dit. Et puis là, on tacle la saison de la randonnée, du trail, des activités. Profitez. Moi, j'ai pu faire la reconnaissance le 1er mai ici de ce parcours. C'était absolument magnifique. Il y a des vautours qui sont passés. C'était très, très beau. Et donc voilà, il faut venir ici en Dévelui cet été. Absolument, le Dévelui, c'est une terre de jeu, effectivement, avec une multitude d'activités. On a la Via Ferrata, la Via Souterrata aussi, qui est très intéressante. On a des sites d'escalade et puis on a des panoramas, des points de vue qui nous ouvrent sur tout le territoire du Dévelui. Voilà, ben là, c'est aussi magnifique. Des espaces complètement ouverts et puis un dynamisme du territoire pour proposer des expériences que nos vacanciers se souviennent et puis ont envie de renouveler. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame le maire, d'être passée nous voir. Merci pour l'accueil. On est très heureux d'être ici en Dévelui, à Super Dévelui. Et puis on va pouvoir continuer donc, à suivre cette course jusqu'au bout
tous ce championnat de France de course en montagne, donc édition 2023. Merci madame. Je vous remercie. À bientôt. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, on continue. Je vais demander mes consultants de revenir. On va avoir des images. On va faire un petit point de nouveau sur la course, l'équipe, la Dream Team course en montagne de la Fédération française d'athlétisme. Merci à tous les deux, hein, donc Laurence Vivier, Olivier Guy, qui sont à la DTN et justement qui développent cette course en montagne auprès de la Fédération. Alors, on l'a dit, on est sur la course féminine, là, l'élite féminine. Donc, on a toujours un trio de tête, mais plutôt deux jeunes femmes plutôt détachées. Alors, il nous semblait tout à l'heure, sur les dernières images, que Cécile Jarousseau était devant. Le coach de Christelle nous dit que c'est Christelle qui est devant. Ah. Bon, ça, à mon avis, c'est ce qu'il espère. Mais ouais, nous, on a vraiment l'impression que Cécile était devant. Donc, on va quand même attendre le prochain point officiel. Et je voulais dire que Julien Rancon, que vous avez eu à l'antenne tout à l'heure, ouais, n'est pas là avec nous maintenant, là, parce qu'il est en train d'encourager sa femme qui est sur le parcours. D'accord, donc, voilà, c'était pour ça. Voilà, c'est d'accord pour ça. Et il va revenir tout à l'heure pour commenter la course des garçons. Bon, bah génial. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, dans l'oreillette, me donner quelques petites informations sur où sont justement les féminines, quand on va pouvoir récupérer des images? Et il faudra peut-être se méfier aussi donc de notre meilleure aussi Élise Poncé, hein, qui est une très très bonne descendeuse, qui vit en montagne, qui a vraiment l'habitude et qui, même si elle n'a pas couru depuis très longtemps en compétition au championnat de France, a peut-être sa carte à jouer dans la dernière partie de course. Donc je pense que jusqu'à la fin, on va avoir un suspense assez sympa pour savoir qui va l'emporter sur cette course féminine. Les filles avaient terminé quatrième l'année dernière au championnat du monde en Thaïlande. Donc elles ont encore des ambitions pour cette année à Innsbruck. Et on espère que l'équipe renforcée par Cécile Jarousseau, qui fait sa première saison sur la montagne, va pouvoir glaner un podium, puisque c'est toujours l'ambition quand on se déplace sur ces championnats. Chez les juniors, qui doivent toujours être sur le parcours, donc on aura probablement donc aux avant-postes Jules Mongelaz ou Arthur Fabrège, Anatole Berthoud bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là encore, ça va être le suspense quand on va les voir. On sait que Jules Barriot est également en bonne forme et pourrait aussi pour sa première année chez les juniors créer la surprise. On a les cadets de l'année dernière qui avaient participé à la Coupe du Monde, Pablo Roux, Marius Simoneau et également Louis Fourgassier comme Néré, qui sont présents également cette année sur la course junior, donc en première année. Donc des athlètes talentueux, mais à qui il faudra un petit peu d'adaptation pour passer sur des formats un peu plus longs. Mais vraiment, ils sont pétris de talent pour beaucoup d'entre eux. En tous les cas, les cadets qu'on avait à la Coupe du Monde. Et là, on va les voir dans un contexte de distance un peu plus longue, avec des coureurs aguerris qui sont en deuxième année, qui ont déjà eu aussi des sélections. Donc c'est bien, il y a une vraie dynamique. Tout le monde se tire vers le haut. Et ça devrait donner aussi une belle équipe de France. Et on retrouve parmi tous ces athlètes, en fait, effectivement, un peu tout l'athlétisme, et puis au-delà, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a des triathlètes, des skieurs de fond qui s'essayent sur la course de montagne, alors qu'on voit Cécile Jarousseau qui est bien en action. La première féminine, avec Valentin, notre cadreur. Voilà, donc Cécile qui habite à Font-Romeu et qui s'entraîne à Font-Romeu, donc elle est vraiment une habituée des terrains montagneux. On sait que notamment ici, on est en altitude, c'est un peu compliqué pour les gens qui arrivent directement de la plaine de faire une compétition tout de suite en arrivant sans adaptation. Et tous les athlètes qui ont la chance de pouvoir crapahuter en montagne pour leurs entraînements sont un petit peu avantagés.
On voit une, par rapport à tout à l'heure, hein, la fatigue commence à se faire un petit peu sentir. On sent que c'est un petit peu moins fluide au niveau de ses épaules, un peu plus de crispation. Bon, ça monte, hein, ça monte, donc c'est pas facile. Et puis les kilomètres passent. Hein. Donc là, je ne sais pas si sur quelle allure on est, mais en tous les cas, ça va vite. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, elles avaient mis 1h05, je crois, sur ce parcours. On va voir si on est sur un temps équivalent, mais on devrait être là. Hein. Puisqu'on a vu que ça montait très très vite dès le départ et que là, ça avance encore très très bien. Voilà, donc elles en ont à peu près pour un petit quart d'heure encore de course et toujours Cécile, effectivement. Bon, c'est vrai que les attitudes de course sont toujours un petit peu, pas inquiétantes, mais on a toujours un peu cette impression que les athlètes sont dans la douleur et dans les crispations, mais c'est dû un petit peu justement au dénivelé. Et c'est effectivement une école de la volonté et dans la tête, en général, ça lâche pas. Donc, j'espère que les filles vont aller au bout et que Cécile, pour sa première incursion dans ce championnat, va l'emporter ou en tout cas fera sur le podium puisqu'elle a fait quand même un bon parti de course aux avant-postes. En tous les cas, très heureux de voir des athlètes qui ont la culture piste, route, venir s'amuser, parce que c'est le cas, hein, même chez les jeunes, hein, c'est vraiment un jeu, c'est des parcours très 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 rapides, très joueurs. Donc elle vient là, puis en plus, il y a de grandes chances que si tout continue comme ça, qu'elle soit en équipe de France et qu'elle vienne renforcer cette équipe de France pour une confrontation internationale de très haut niveau où on espère bien ramener une médaille par équipe. Donc on est très heureux de voir quelqu'un de ce niveau-là venir renforcer cette équipe et probablement tirer toutes les autres aussi vers le haut. Alors on voit que Cécile se met à marcher, donc ce n'est pas du tout inquiétant, comme on le disait tout à l'heure avec les jeunes. Hein. C'est vrai que la marche est parfois, dans l'athlète traditionnel, on le voit de manière négative, mais en montagne ça fait vraiment partie du jeu. On voit d'ailleurs Christelle qui marche aussi derrière, Christelle qui n'est pas très loin, hein, donc la course n'est pas finie. Il y a vraiment très peu d'écart entre les deux filles, donc c'est celle qui va un petit peu descendre, je dirais, le plus rapidement, puisqu'elles vont bientôt rentrer dans la dernière étape qui est en descente, et c'est celle qui va mieux descendre qui va l'emporter. Donc vous voyez que l'attitude, elle est de mettre le buste un petit peu parallèle à la pente et d'appuyer sur les genoux pour s'aider. C'est une technique un petit peu particulière et qui permet de relâcher certains muscles. Et puis après, on peut, après quelques foulées de marche, on peut repartir sur de la course. Et ça permet d'alterner un petit peu le type de muscles et de relâcher certains pour mieux terminer. Mais toujours avec un pied qui résiste fort au sol, parce que dès que le pied s'effondre un peu, c'est très compliqué de repartir. Donc on a bien vu que lorsqu'elle marchait, elle était quand même sur avant-pied. Mais là, elle se remet à courir parce qu'elle sent bien le danger, parce qu'elle sait, elle, que Christelle, sa force, c'est la montée. Donc si elle peut éviter que Christelle revienne sur elle dans cette montée, elle a presque une garantie dans la descente d'aller au bout. Mais Christelle n'a pas dit son dernier mot, ça c'est bien évident. Et puis, rien n'est jamais joué non plus, parce que la montée, on sait que c'est exigeant, mais la descente peut être aussi très exigeante quand on est fatigué et pas du tout quelque chose où on peut se laisser aller. Il faut être capable aussi de résister, d'avoir suffisamment de force encore musculaire pour résister aux appuis, pas s'écraser et pas tomber sur une partie un peu plus pentue ou un peu plus technique. Et la transition montée où l'effort est en concentrique, en descente où on est en excentrique, parfois la transition est assez compliquée, surtout quand il y a un vrai fond de fatigue, quoi. Bon, là on voit, elles ont attaqué la descente. Donc Cécile Jarousseau toujours devant, et a priori, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle est meilleure descendeuse que Christelle, donc elle est en bonne position pour aller au bout, mais rien n'est fait encore, hein, je vous dis, tout peut arriver sur ce genre de course. Ce serait bien qu'on sache où est Élise, voir si elle est capable de rentrer sur Christelle. Et on voit qu'elles sont dans un petit single. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est les parties assez joueuses normalement, mais qui en fin de course peuvent être un petit peu... Et un grand merci à Valentin, notre aussi camerounais, qui lui fait partie ici et d'ici
local de l'étape. Merci à lui de courir et de pouvoir nous permettre de suivre ces images de ces deux descendeuses. Merci beaucoup, Valentin. Valentin, t'es un champion, ne lâche rien. Avoir cette capacité à lâcher prise et à se laisser aller dans la descente, un peu comme au ski, quand on dit dans les périodes d'apprentissage, il faut accepter la pente, mettre les épaules dans la pente, ben c'est un petit peu ça, mais comme en ski, il faut toujours maîtriser sa vitesse, parce que ça peut aller vraiment très très vite, surtout qu'il y a des passages là, où si la tête se rate, ça peut être une chute avec un contact avec un arbre, une pierre, mais on n'en est pas là parce que là on a des filles qui sont très très habituées et qui ont cette capacité à lire leur trajectoire. Et on se rappellera que Christelle, on l'avait découvert justement à Gap quand il y avait eu les championnats d'Europe en 2011, si mes souvenirs sont bons. On avait découvert également Elise Poncé en junior à cette époque-là, qui faisait partie de l'équipe junior qui avait fait troisième. Voilà, donc ces filles-là sont toujours présentes et au plus haut niveau. Allez, on est bientôt à une heure de course. Donc les filles ne sont pas très très loin de l'arrivée. Il leur reste un petit peu de descente. Puis un petit replat à la fin pour arriver sur cette belle zone d'arrivée à super dévolu. Bon, Christelle va gagner en master, hein. ça c'est sûr. Hein. Et oui, elle est inisable cette Christelle, inisable. Et c'est aussi notre athlète qui représente, qui nous a représenté aussi bien sur la course en montée sèche que sur la course en montée descente l'année dernière et qui pourrait refaire ce challenge sur les prochains championnats du monde. Elle a cette capacité de pouvoir être très performante sur la montée et de pouvoir faire partie de l'équipe et d'être aussi, s'il n'y a pas de souci de santé, être aussi parmi les meilleurs sur la montée-descente. On va pouvoir récupérer la première qui va arriver. La voilà. Et voilà Cécile Jarousso qui déroule pleinement donc dans cet espace bien, bien agréable sur cette fin de course hein, où on est dans une prairie... prairie à vache. Et Christelle qui doit être à une dizaine de secondes derrière, donc il n'y a quand même pas beaucoup d'écart, hein. C'est vraiment très serré avec c'est tout bon pour notre équipe de France hein, tout ça, parce qu'en plus Élise Poncé a fait une saison de ski alpi, etc. Elle n'a pas le travail de course à pied, mais il lui reste un mois pour se préparer pour préparer ce championnat du monde. Donc je pense qu'elle sera meilleure au championnat du monde qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si elle est déjà très très forte. Hein. Mais ça veut dire qu'on aura une très très belle équipe. Ouais, Cécile Jarousso, qu'on avait connue, qu'on avait découvert aussi en junior, mais cette fois du côté des championnats d'Europe de cross, où elle avait terminé 25e en junior. Et merci cette fois Hugo. Notre cadreur, là aussi, coureur qui court avec la première, la tête de course. On va vous faire vivre ça jusqu'à l'arrivée. À la voilà de face. C'est Cécile Jarousso qui allie aussi bien la course à pied qu'elle allie les mots, puisque c'est une littéraire à la base et qui écrit très très bien. Vous pourrez retrouver un extrait d'un article qu'elle a écrit dans le prochain AEFA, qui est la revue des entraîneurs d'athlétisme, où elle a témoigné un petit peu sur sa manière de s'entraîner et son approche avec son entraîneur sur fond romeu. Au début de cette retransmission, on se demandait si elle avait des belles capacités de descendeuse. Bon, on a la réponse. Hein. Ça va très bien, les appuis s'enchaînent vraiment bien. On ne voit jamais une forme de déséquilibre. Elle est en maîtrise. Elle maîtrise ce qu'elle fait. Elle choisit ses trajectoires. Parce que vous voyez, là, elle avait le choix entre trois trajectoires. Finalement, elle en a choisi une. Ça doit être la plus roulante. Elle se sert de ses bras pour s'équilibrer. 95, 3e, c'est ça. C'est Elisa. Et là, sur un fond de fatigue, là, le fait de devoir maîtriser sa vitesse, donc de ne pas se laisser complètement aller dans la pente, je peux vous dire que ça c'est dur, physiquement.
Voilà, donc c'est bien Élise Poncé qui est en numéro 3, Dossard 395, qu'on a aperçu tout à l'heure. Et Cécile, pour la petite anecdote, a fait le tour du monde. Elle a pris une année sabbatique où elle a coupé complètement avec l'athlétisme avant d'y revenir avec beaucoup de réussite ces dernières années, puisqu'elle fait partie à nouveau des meilleures françaises sur le cross et maintenant, on pourra dire, sur la montagne. Ben, habitant à Font-Romeu, déjà, on peut douter qu'elle a une appétence pour ce genre de pratique. Et puis d'être capable de courir vite sur du plat, sur du 10 km, avoir un cardio hyper développé. Ah, on voit Élise, on vous le disait tout à l'heure, c'est une très très bonne descendeuse, on voit là que c'est assez fluide. Je ne sais pas si elle est loin de Christelle, il peut se jouer encore des choses dans cette partie-là, hein, parce que finalement, les coureurs qui en ont gardé un peu sous le pied peuvent se faire plaisir dans cette longue descente plus ce replat. Ben, on voit, elles peuvent apercevoir la station juste en dessous. Elles savent que ça va se terminer là. Mais il y a un replat, donc il faut être capable de courir encore vite sur le bas. Voilà, 1h02 de course, 1h03. Donc elles sont très très proches de la ligne d'arrivée. Et donc là, elles vont commencer à rencontrer du monde, des soutiens encore un peu plus nombreux. Et ça va être encore plus sympa de terminer dans cette ambiance. On entend les trompes, on entend les cloches, les supporters sont dans la descente. Et là, elle doit être heureuse. Hein. Franchement, elle a fait deuxième, tu nous as dit, du 10 km, deuxième au cross. Et là, ben, y a pas photo, elle va gagner. Ça veut dire aussi que pour faire de la course de montagne, il faut quand même une valeur pédestre déjà très intéressante. Et donc, elle le prouve, hein, elle a fait moins de 34 minutes sur le 10 km. C'est une fille qu'on voit déboucher là. Donc, Cécile Jarosso, pardon, qui dévale cette dernière ligne droite. Il lui reste 150 mètres à peine à parcourir. Il faut commenter là, parce qu'il y a un décalage. Donc on va voir Cécile Jarosso. Elle a le sourire, elle est heureuse. Et elle franchit la ligne. Et elle fait les oreilles de lapin, mais c'est mignon. Franchit la ligne avec le sourire, et c'est vraiment un grand bravo qu'on peut lui donner, parce que c'était pas évident sur une première incursion, sur une première course, d'assurer comme elle l'a fait. Et on Christelle va voir qui arriver. Va passer la ligne également, notre éternelle Christelle. Encore une médaille pour elle, elle est cumule. Bah déjà, on va en avoir deux aujourd'hui. Deuxième de la course, première master. Une or, une argent. Bravo. Très satisfaite avec Antonio. Et son on voit entraîneur. Le premier junior arriver, Anatole Berthoud. Et Anatole Berthoud, qui avait gagné l'année dernière dans les Pyrénées, qui renouvelle. Est-ce qu'il va sauter? Est-ce qu'il va chanter en arrivant? Est-ce qu'il va crier? Oui, je crois. Anatole vainqueur et Élise Poncé, troisième fille qui arrive, qui regarde derrière. Elle veut prendre du plaisir dans cette dernière ligne droite. Voilà, Élise qui est en train de passer son diplôme de guide en plus et qui est sûrement... Et qui va arriver avec son copain de club, deuxième junior. C'est magnifique ça. Superbe. Superbes images, ce podium très, très féminin. Bien. Et Jules Barriot, je crois qu'il coupe en troisième position. Et le deuxième, donc, du coup. Alors, il y a des écarts chez les filles, il y a des écarts chez les juniors aussi. La tête de course était assez dense. Et là, on a un petit peu d'écart. Et on voit la quatrième fille arriver. Et c'est Nelly Clément, me semble-t-il. La locale de l'étape, Nelly qui va arracher une sélection chez les seniors, magnifique. Quatrième, elle avait fait 28e au France de Cross, donc Nelly qui avait été pas mal embêtée avec des entorses et qui là vraiment fait une super belle course. Très belle préparation, assurée par Lucas Lecomte, donc ça va faire le bonheur de tous les gars pensiers là.
Alors que les quatre premiers juniors sont rentrés, là on est au cinquième. Quelle course, c'était vraiment formidable de voir cette bataille à l'avant de la course. Et puis j'imagine que chez les juniors ça a bougé aussi, ça devait vraiment être quelque chose d'assez costaud. Donc le cinquième de la course, je pense, c'était Noé Descombes de Chambéry qui vient de rentrer. Et on voit les seniors qui commencent à se regrouper dans la zone de départ. Je pense que là aussi, restez avec nous parce que la course des garçons, ça va être quelque chose de grandiose aussi. Parce que rien n'est joué, c'est très ouvert. Marie Nivet qui est en ligne, cinquième de la course chez les filles. Restez un peu sur les arrivées. Marie Nivet qui avait fait les championnats du monde l'année dernière. Qui rêvait d'arracher sa sélection pour Innsbruck. Malheureusement, avec sa place de cinquième, ça ne va pas être possible. Mais elle a tellement pris de plaisir. Elle a découvert cette discipline l'année dernière. Et elle était très heureuse. Et c'est une formidable équipière. Dans le groupe France, Marie, c'est quelqu'un de très intéressant. Avec un regard sur sa discipline un petit peu décalé. Vraiment très sympathique. Allez, les juniors ont tout donné. On est sur des efforts comparables à ceux du cross-country, dénivelés en plus. Mais c'est très bon pour la santé, tout ça. Il ne faut pas hésiter. S'il y a des coachs qui m'entendent et qui ont des petits doutes sur ces disciplines-là, sachez que c'est vraiment une discipline de l'athlète qui est formatrice, qui aide aussi à se forger un moral de fer, qui pourrait être utile sur des disciplines de piste. Ouais. On va aller sur les hommes, qui se préparent parce qu'apparemment la course va être un peu avancée. Si Théo, notre cadreur, il y est, pardon, excusez-nous. Normalement, c'est un départ à 11h, mais semble-t-il les choses se précipitent. Voilà, je vous laisse commenter, c'est bon, on est en place, pardon. Nelly Clément fait aussi premier espoir. Hein. Ah, il y a plusieurs athlètes qui cumulent les médailles, hein, du coup. Hein. Premier espoir. Donc voilà, vous avez maintenant l'élite homme qui va partir. On va essayer de vous faire vivre de la même façon cette course. Merci en tout cas à tous les deux pour vos commentaires qui nous permettent de vivre et de comprendre ces championnats de France de course en montagne. Peut-être la préparation, là, l'élite, les hommes se préparent. Alors à l'avant du peloton sur la ligne de départ, on a ce qu'on appelle un sas élite. Où les meilleurs athlètes qu'on a identifiés, et selon des critères très précis d'ailleurs, hein, les 15 premiers du dernier championnat de France peuvent accéder au sas élite, les sélectionnés en équipe de France sur les années précédentes, les athlètes qui sont les 5 premiers de la Coupe de France de course en montagne ont accès au sas élite. Donc, si notre cadreur Théo peut se rapprocher un petit peu, qu'on regarde un peu, je pense que les favoris doivent être sur cette ligne, qu'ils puissent regarder un peu, qu'on puisse regarder les numéros de dossard, les quelques favoris, Olivier. Je rappelle, je suis donc là en plateau avec Olivier Guy, qui est la DTN de la Fédération Française d'Athlétisme, qui va commenter donc cette course avec moi. On est ici en direct depuis 8h45 ce matin à Super Dévoluy dans les Hautes-Alpes pour vous faire vivre ces championnats de France de course en montagne. Alors à noter que le dossard numéro 3 est porté par Tristan Calamita du GAP Hautes-Alpes Athlétisme qui n'est pas moins que l'organisateur de ce championnat de France. Voilà, je salue au passage Tristan qui nous a aidés vraiment énormément. Avec Muriel à l'office du tourisme, la directrice de course. Merci à eux, merci à cette équipe qui ont monté à ces championnats de France, grâce à qui on est là. Et Tristan, on va l'encourager évidemment, Tristan. Tristan va cibler un top 10, d'après ce qu'il me disait hier. C'est un garçon extrêmement talentueux qui a dû bien se préparer. Et pour le coup, tous les cailloux du parcours, il les connaît par cœur, puisque c'est lui qui a tracé. Nous avons également Thomas Cardin qui est dans la course, qui lui est déjà sélectionné pour les championnats du monde de trail sur le format court, mais qui vient terminer sa semaine de stage avec l'équipe de France. Nous étions dans le Cantal
et il va ponctuer cette semaine par une course de montagne pour travailler sa vitesse. Donc lui, si même il est dans les 4 premiers, il ne sera pas sélectionné sur la montagne puisqu'il est déjà sur le trail, ce qui laissera une place de plus peut-être pour le 5e de la course. Enfin, on va voir ce qui va se passer. On a également Alexandre Fille, dont on en a parlé tout à l'heure. C'est un garçon de très 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 haut talent. Il est chez lui, il est de Gap également. Et il a eu des gros problèmes de santé, on peut dire même, qu'il a traîné pendant presque un an et demi. Il va beaucoup mieux et il vient avec une grande ambition et l'envie féroce de retrouver l'équipe de France. On a également des garçons qui ont eu des sélections en équipe de France junior, comme Achille Berthoud, Kylian Allaire, qui était également en équipe de France avec nous à Chiang Mai en Thaïlande au mois de novembre pour les championnats du monde, qui a envie de revenir, qui a participé aux France de Trail, qui était un petit peu déçu, donc j'imagine qu'il s'est remotivé. Et puis Théodore Klein, de l'Entente de Haute-Alsace, Théodore qui a participé au championnat de France de Trail, qui a mis le feu à la course, qui n'a pas tenu la distance, mais ce n'était pas fait pour ça. Et pour le coup, là, il vient pour gagner. Donc lui, c'est clair et net. Théodore Klein, il vient pour remporter cette course. Rémi Longchamp, qui a déjà été en équipe de France, qu'on avait perdu un petit peu de vue, mais lié à des problèmes de santé de son côté également. Il avait eu le Covid, ça a été long pour s'en remettre. Mais écoutez, il est là avec une forte ambition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, Julien Rancon, qui est allé voir sa chair et tordre courir sur la course féminine, vient commenter cette course parce que d'habitude il est dans le peloton, il a les mollets, il nous le disait hier, il a les mollets qui trépigne parce que finalement il aurait adoré aussi être avec son short et ses chaussures à crampons sur cette ligne de départ, mais il est avec nous pour la commenter et je peux vous assurer que vous allez avoir des commentaires de très haut niveau. Il connaît parfaitement la discipline, plus de 30 sélections en équipe de France, une longévité incroyable, il sait se préparer. Il est entraîneur également, un vrai talent aussi en tant qu'entraîneur. Donc c'est une valeur sûre de cette discipline et puis c'est un fervent défenseur de cette discipline. Donc Julien, maintenant, à toi de reprendre la parole après tous ces compliments. Merci Olivier. Alors en plus, je reviens du parcours, donc ça m'a permis de voir un peu l'état du terrain. Donc c'est terrain lourd, mais c'est pas très très gras, c'est pas très boueux, donc les conditions sont très bonnes. Il n'y a pas de vent, la température est fraîche, mais idéale pour courir, donc... Les conditions sont très bonnes, on va avoir une super course masculine avec Olivier l'a détaillé un petit peu les favoris. Une course très ouverte avec un petit changement de génération. C'est un peu, ça fait déjà 2-3 ans que c'est la transition entre ma génération à moi et puis la génération des coureurs de entre 20 et 25 ans aujourd'hui. Donc un nouvel élan pour la discipline et on a beaucoup de jeunes espoirs aussi qui montent des catégories juniors, donc ça va être intéressant de voir comment ils transitent entre les juniors et les espoirs. Malgré tout, on a un gars de ta génération qui est au départ et qui à mon avis va faire mal à beaucoup de monde, Emmanuel Messa, qui rêve aussi après aussi des problèmes de santé plus mécaniques qu'autre chose, lui qui s'est fait opérer etc, et qui revient à un très 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 bon niveau, qui est champion de France de cross master, et toi tu termines deuxième, Julien, il est en grande forme. Et c'est l'ancienne génération, mais l'ancienne génération, je peux vous dire qu'il ne va pas laisser sa place. Donc voilà, ça vient de partir. Ouais, Manu Messa, donc, que je connais très bien, puisqu'on était en équipe de France junior, ça date, ensemble, il y a quasiment 25 ans. Et Jérôme Blanc aussi, qui est, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais qui est en catégorie master et qui sera un sérieux prétendant au top 10 sans souci, et voire mieux, voire top 5 si... S'il est dans une grande journée, c'est un parcours qu'il connaît bien, il est presque local, c'est un gars pensé. Donc ça peut avoir aussi il peut avoir son mot à dire sur ce parcours-là. Et pour travailler sa vitesse, on a dans ce peloton un champion du monde de trail, Sylvain Court, qui a gagné le titre à Annecy en 2015 et qui revient après des années où il avait un autre projet, un projet perso, il a construit sa maison, etc. Et là, il revient, il est venu faire une séance de vitesse. Pour lui, ça va être de la vitesse. Donc, c'est intéressant aussi de voir que des trailers, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de Thomas Cardin, maintenant je vous parle de Sylvain Court.
on est à la croisée des chemins sur des formats un peu courts. Bah, il y a un intérêt pour des trailers à venir aussi faire ce genre d'efforts parce que physiologiquement, c'est intéressant. Ouais, et puis on a presque l'extrême, puisque je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on a aussi Youssef Mekdafou qui était en équipe de France de cross cet hiver au championnat d'Europe à Turin. Donc on a un ultra trailer comme Sylvain Court et puis des coureurs cross piste 5000, 10000 qui sont là. Donc c'est aussi la croisée des chemins et c'est très intéressant. On va voir ce qui se passe. Je pense que ça va être dur pour Sylvain et ça va être dur pour Youssef aussi, mais on attend avec impatience de voir ce que ça va donner. Alors comme vous pouvez le voir, c'est passionnant. En tous les cas, nous, ça nous passionne. Ça demande tellement d'adaptation au parcours, la lecture de trajectoire. Il y a des paramètres en plus de ce que les athlètes sont habitués à vivre sur la piste ou sur la route. Donc il y a des gens qui vivent en montagne qui connaissent ça mieux que d'autres le découvrent. Dans tous les cas, ça donne toujours des courses intéressantes et des surprises quasiment à chaque fois. Et on a, d'autant qu'on a un parcours très complet, où on a des parties très pentues, notamment la première montée, une descente très roulante, ensuite une montée très très raide là, sur la petite antenne, vous avez dû le voir avec les filles. Ensuite une descente un peu plus technique qui demande un peu de pilotage, un peu d'habileté technique. Et puis une montée qui est une dernière montée qui est un peu plus roulante. Donc ça demande tout un tas de qualités. Et forcément aujourd'hui, ça va sacrer quelqu'un de très complet. On l'a vu chez les filles, hein, même si Cécile Jarousseau est plutôt une spécialiste du cross. Elle vit à la montagne, je pense qu'elle a quand même le pied et les qualités pour performer en montagne. Et elle l'a prouvé aujourd'hui. Ouais, donc on va changer de téléphone. Allez, ils sont dans la fameuse montée où ils vont tourner à droite. Donc là, personne ne se détache. Tout à l'heure, Christelle avait pris un petit peu d'avance chez les filles. On va essayer de voir très rapidement qui a pris les commandes. Je distingue le maillot jaune de Thomas Cardin, je pense. Alors, Thomas Cardin qui a fait une grosse semaine de stage dans le Cantal, dans des conditions météo qu'on a tous rencontrées sur le territoire français. Mais là, c'était très, très, très engagé avec des températures et un peu de neige même hein, sur les hauteurs. Donc il a fait une grosse semaine de travail et je vous dis, ils viennent ponctuer cette semaine par cette course. Ils ont une capacité, une force, ces athlètes, qui est assez impressionnante hein, parce que je vous assure que cette semaine, ça a été assez chargé. Bon, il est là. En tous les cas, il joue devant. On va voir ce que ça va donner, si les spécialistes vont venir le bousculer un peu. En tous les cas, c'est lui qui bouscule les autres pour l'instant. Voilà, donc Thomas Cardin, Youssef Mekdafou, Robin Juillaguet, j'ai l'impression, derrière, le coureur des Esclops, qui a été champion de France de trail espoir il y a quelques années, qui a eu un petit trou de 2-3 ans, et puis là, qui a l'air de bien revenir. Théodore Klein en quatrième position, voilà, les favoris sont placés. La course va se décanter, c'est encore très tôt, donc il va falloir passer cette première bosse, la première descente, pour voir quel groupe se détache un petit peu. Mais Thomas, je l'ai vu tout à l'heure, et je disais, avec la semaine de stage, ne pars pas trop vite, il ne m'a pas écouté. Ah, c'est un tempérament. Hein. C'est un tempérament et c'est un spécialiste de trail court. Donc finalement, trail court sur des formats autour de 40 km, où parfois, évidemment, il prend part à des courses un peu plus courtes. Bah, il est quand même capable d'aller très vite sur ce genre de format. Oui, Thomas, c'est des très grosses qualités physiques. Hein. Et là, s'il a bien récupéré de ses jours de stage... Ça aurait été un client au podium sans aucun souci. Il avait terminé deuxième il y a 3 ans ici même, donc il connaît bien le parcours, il saura gérer son effort. Donc j'ai pas trop de soucis, il y aura pas trop de soucis là-dessus. J'ai dit Robin Juillaguet, mais c'est peut-être plutôt Kylian Allaire, non? Ou Quentin Milleux? Non, c'est Quentin Milleux là en deuxième position, le Clermontois qui est revenu sur Thomas. Théodore Klein qui passe là sur la droite. Ouais, ça, les positions sont pas arrêtées, hein, ça bouge un peu devant. Il y a une vraie école de trail et de course en montagne du côté de Clermont, hein, avec un coach passionné qui entraîne dans son sillage des gamins qui sont très forts sur le cross et qui nourrit ses équipes de France jeunes et seniors. C'est souvent lié à des coachs et à des passionnés. Et on aimerait bien qu'il y ait encore plus de coachs qui se forment et qui encadrent de plus en plus de jeunes sur ces disciplines. Parce qu'on est tous persuadés ici, parce qu'on vient tous de la piste, hein, moi je viens de la piste aussi, on est tous persuadés que ça peut aussi avoir un intérêt pour la piste. On va faire une petite pause, on va être sur le son des cadreurs.
On va pouvoir, voilà, le temps qu'on change de micro ici en plateau, et on vous... à tout de suite. Tu me fais ferme. Allez, gars, c'est mieux. Trop vite. De retour en plateau avec le son. Merci beaucoup. Ah, les Esclopes d'Azun, grand club à Rennes-Marsous l'année dernière, nous avons eu un championnat de France absolument formidable. Et ce sont les champions de France en titre par équipe, donc ils ont à cœur, je pense, de... alors là, je pense que c'est Kylian Allaire. Manu Messa, voilà, qui est bien placé. Hein, lui, il va finir fort, donc là, pour l'instant, je pense que c'est une position idéale pour lui. Il ne faut pas qu'il laisse partir. Ben, d'ailleurs, il l'a compris. Il passe devant parce qu'il ne faut pas laisser quand même un trou trop important parce qu'il y a quand même du solide devant. Donc, s'il veut être dans les quatre pour la sélection, il faut qu'il recolle. Mais il se gère très, très bien. Il se connaît parfaitement bien. Et il va être capable de bien gérer son effort et d'être là jusqu'à la fin. Il sera dangereux jusqu'au bout. Ouais. Alors là, de Saint-Chély, ça doit être Corentin Capelier, vraisemblablement. Alors de dos, c'est toujours difficile de repérer les coureurs. Mais donc, il y a un premier groupe qui est parti. Et là, voilà, Manu Messa qui essaye de rentrer. On arrive sur la fin de la première bosse. C'est le moment. Il va y avoir des qualités différentes dans la descente. Donc, ça va forcément faire des groupes. Il y en a qui vont revenir de l'arrière. Il y en a qui vont s'échapper un petit peu. En fonction des qualités. Mathieu Le Fur qui est un très très bon grimpeur, qui est espoir. Alric Petit là de l'Entente Athlétique de Grenoble. Au milieu, j'ai pas vu en jaune, mais il me semble que c'est Dylan Ribeiro. Là, on voit bien le dénivelé, hein. Vous voyez le coureur du haut là. On voit bien que courir dans ce dénivelé là, il faut vraiment être très 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 costaud. Hein. Donc à la bascule, ça va devenir intéressant. Hein. Les qualités vont changer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Qui arrive à s'échapper. Les moins bons descendeurs vont avoir un peu plus de mal, même si cette première descente est relativement roulante et peu technique. Il y a un match dans le match, hein, parce qu'il y a le classement espoir aussi. Hein. Bien sûr, encore un espoir des Esclopes, ça doit être... Les espoirs sont aux avant-postes aussi. Ouais. Ça doit être Maël Allaire ou Esteban Olivero, j'imagine. Alors, on a du mal à distinguer quand même les coureurs. Rémi Longchamp, vraisemblablement, là, avec son maillot de l'Entente Athlétique de Grenoble, qui est parti prudemment. Mais il était international l'an dernier au championnat d'Europe. Il a terminé 4e des championnats de France. Il revient de blessure, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. Une espèce de petite pubalgie, mais il saura faire une fin de course solide, ça, j'en doute pas. Annecy Athlétisme, peut-être Florian Bernabeu. Édouard Dupas de l'Entente Athlétique de la L.E. Chirol. Tristan Calamita, j'ai l'impression, l'organisateur. Thibaut Humbert, un des frères Fines. Alors je pense que c'est
Alors, mais ce qui est étrange, c'est que Julien, qui est toujours aux avant-postes, arrive à reconnaître tous les athlètes de dos. Il ne les voit jamais de dos d'habitude. Jamais. C'est eux qui le voient de dos. Mais bon, il les connaît tellement bien qu'il peut les identifier juste par leur signature de course, leur manière de courir et puis leur stature, quoi. Mais on voit que ça va, ça vient. Voilà, il y a des coureurs qui vont de groupe en groupe, d'autres qui sont un peu plus vers l'avant, d'autres qui régressent un petit peu. On voit bien que la course est vraiment pas figée et ça va être le cas jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, on voit bien les ruptures de pente, des petites relances, des petits talus. Et ça, tout le monde n'a pas les mêmes qualités, donc il y en a qui vont relancer fort. Julien Navarro, qui avait fait 3e il y a 3 ans ici, qui est M0 déjà aussi. Encore un coureur d'Escops. Alors ça, c'est Esteban Olivero, je pense. Les petits jeunes qui viennent se frotter aux plus vieux. Julien Navarro, le frère de Nicolas Navarro, notre meilleur marathonien au bilan actuel, bilan français, qui a réalisé des très 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 grosses performances. Et qui va bientôt être papa avec Florian Hott, qui est championne du monde de 100 km. Je vous raconte un petit peu les coulisses de tout ça. Donc c'est une grande famille entre le 100 km, la course en montagne, le marathon. Tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Donc sur le sommet de la Bosse, ça c'est un peu plus à découvert. Les coureurs ont vraiment à vue les coureurs de devant, donc on peut vraiment juger l'état de la course. Et on voit bien que là c'est vraiment de la file indienne, donc on n'est jamais tout seul. L'objectif, c'est essayer de reprendre un petit peu coureur après coureur si on est dans une phase ascendante. Arriver à gérer son effort pour ne pas se mettre dans le rouge tout en étant à la bataille avec les autres. Donc ça demande une gestion individuelle et une connaissance de soi importante, parce que quelqu'un qui se met dans le rouge, il le paye assez vite, quoi. Et on voit Thomas Cardin qui se balade devant. Voilà, ça doit être le sommet quasiment le sommet de la Bosse. Donc Thomas Cardin qui a fait un premier écart, déjà significatif, hein, on a l'impression, à moins que quelqu'un soit passé. Voilà, c'est le sommet de la Bosse. Là, ça va basculer un petit peu à plat, prend le temps de récupérer. Et c'est reparti. Donc Thomas Cardin qui a fait l'effort sur le sommet de la Bosse pour se détacher. Et maintenant la course, on peut vraiment dire que la course est lancée. On va voir qu'est-ce qui se passe derrière, mais il a déjà pris un premier ascendant, en tout cas psychologique, sur la suite. C'est intéressant de voir, il montait très très bien et puis il a fait 4 ou 5 mètres en marchant pour faire le point, avant d'attaquer d'un gars qui a l'air de maîtriser ce qu'il est en train de faire ou d'être serein ou pas. Du coup, c'est peut-être exactement l'inverse, j'en sais rien. En tous les cas, Thomas, il est un peu comme ça, il court à l'instinct. Il est peut-être moins régulier que certains, il court un peu plus par à-coup. Là, il a jugé bon de récupérer un peu, ça a duré 3-4 secondes. Il n'a pas perdu de temps et finalement, au niveau cardio, il est peut-être redescendu un petit peu. Et il peut bien relancer derrière, donc c'est pas forcément une mauvaise tactique. On voit là, ça descend quand même très fort, c'est assez propre. La pente est pas très élevée et ça peut dérouler tranquillement. Thomas qui est entraîné par Philippe Propage, qui entraîne également Blandine Lirondel et beaucoup d'autres athlètes membres de l'équipe de France. Un vrai talent de coach, une grande expérience. Thomas est entre de très très bonnes mains. Donc là, on a un deuxième groupe. Alors, je ne sais pas si c'est le groupe de chasse. On voit Manu Messa, Alex Finn, j'ai l'impression. Alors devant, j'ai un peu plus de mal. Théodore Klein peut-être et Quentin Melleux. Ça doit être le groupe de chasse. Ils sont 5. Donc Manu est revenu dans le groupe. Ah, la bataille pour la sélection est lancée. Hein. Parce que si on exclut Thomas Cardin, les 4 sélectionnés sont dans le groupe de chasse. En effet, Thomas qui est déjà qualifié sur le format trail court. Donc oui, ils sont 5 pour 4 places finalement, mais on est encore loin de l'arrivée. Ça peut rentrer encore de derrière. Les écarts sont sûrement relativement faibles. On va voir si en groupe, ils arrivent à rentrer un petit peu sur Thomas qui est tout seul. Des fois, c'est un peu plus confortable d'être derrière. On peut suivre et puis se relayer un petit peu. Ça demande peut-être un peu moins d'attention. Là, Thomas, il est obligé de regarder où il va, de lire un peu. Alors que derrière, ceux de la fin du groupe ont juste besoin de suivre, j'aurais tendance à dire. Donc on va voir un petit peu les écarts, mais il a déjà creusé un petit trou. Hein. Ben j'ai l'impression qu'il descend très 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 fort. Hein. Franchement, là ça, comme on dit, hein, ça envoie. Hein. Ah oui, il est très solide musculairement. Donc
Ouais, on bon descendeur. Ça descend très très fort. Hein. Donc il y a Simon, justement, notre cam runner, là, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a été décroché. Voilà, Théodore. À l'air. Théodore. Klein, donc, qui mène le groupe de chasse. Ça doit être Quentin Melleux en troisième position. Alors Quentin qui a beaucoup progressé en descente. C'était pas son point fort initialement. C'est quelqu'un qui vient du vélo. Mais là je vois que ça descend bien. Il arrive à suivre sans problème Théodore qui est un très bon crossman. Donc des descentes au pilotage comme ça, il aime ça. Et on voit déjà voilà, la descente. Un sous-groupe qui se crée, ils étaient 5, voilà, ils sont partis à 2. Alex Finn qui est un très grand descendeur et ça fait plaisir vraiment de le voir à ce niveau-là. Et Jérôme Blanc, hein, on n'avait pas vu non plus, Jérôme qui est là. Et donc, juste derrière, on doit voir Manu Messa, bah, les masseurs sont là aussi. Hein. Donc on a la jeunesse et on a les expérimentés. Et puis surtout, ouais, on a deux gars de Gap qui sont dans le top 5, 6. Ouais. Gap qui va vraiment jouer le classement par équipe là, avec deux coureurs devant, ça aide toujours. Et Théodore Klein a fait du championnat de France et du championnat du monde son objectif de l'année. Hein. Lui s'est préparé exclusivement pour ça. Il verra après le championnat du monde la suite de sa saison, mais là il est en prépa pour ça depuis déjà un bon petit moment. Et Alex Finn qui ramène le groupe, là, on voit Alex Finn qui est un très bon descendeur. Et finalement peut-être Manu Messa qui est un peu moins à l'aise en descente, il suit et il arrive à rentrer. Donc voilà, c'est stratégique aussi, il faut savoir bien se placer. On voit que c'est pas forcément très évident de doubler. Donc d'être derrière le bon poisson pilote, et ben, des fois ça aide à combler des écarts qu'on n'aurait pas réussi à combler tout seul. Donc voilà, on voit le vieux renard de Manu Messa et il a trouvé la bonne roue. Donc ça doit être le groupe derrière, Alric Petit et Dylan Ribeiro, je pense. Donc deux jeunes de nouveau, Alric Petit qui est espoir, Dylan qui est plus espoir mais qui doit être senior première année, Dylan qui a été international junior en 2018. Bah, l'avantage, le 7e et le 8e. L'avantage qu'on a avec cette discipline, c'est qu'on peut avoir déjà des athlètes sélectionnés pour les Coupes du Monde Cadet, on l'a dit tout à l'heure, et puis il y a une continuité avec les juniors, et derrière, évidemment... Ça peut ouvrir aussi le champ des possibles sur le trail court. Donc il y a une vraie progressivité. Ça s'inscrit dans la durée, mais avec une forme de progressivité. Donc il y a des noms qu'on retrouve. On l'a vu tout à l'heure avec Nelly Clément, qu'on a eu chez les cadettes, chez les juniors, et qu'on a maintenant chez les seniors. Alors il y a une toute petite remontée là qui fait quand même mal aux jambes. Hein. C'est pas très pentu, c'est pas très long, mais ça fait mal aux jambes. Voilà, Alric Petit, c'est ça, qui doit mener chez les espoirs du coup. Espoir. Qui doit être premier espoir en effet. On attendait Alric Petit, Maël Allaire, Esteban Olivero, Mathieu Le Fur. Alric Petit qui est un bon descendeur. Voilà, il était peut-être un peu en retrait dans la montée, mais il est déjà revenu sur les groupes qui étaient devant lui. Et on voit il creuse un petit écart là sur Dylan Ribeiro. Alors là on va il y a encore un petit bout de descente, mais on va vite arriver au collet du Tats, là, donc le fameux col. Et puis il va y avoir cette remontée d'environ 100 mètres de dénivelé très raide. Alors les filles ça marchait pas mal, là devant ça va presque tout courir je pense pour la tête de course. Là la partie très très belle, ça zigzague, pas le temps de s'ennuyer, par contre il faut bien contrôler sa trajectoire, rester efficace. Magnifique. Donc on refait le... Et Mathieu Le Fur qui doit être deuxième espoir de Velay Athlétisme qui fait une très très bonne course. Donc si on fait le point au collet du Tats, on va avoir Thomas Cardin seul en tête avec une vingtaine de secondes d'avance environ sur un groupe de 5 avec Klein, Quentin Melleux, Jérôme Blanc, Alex Finn et Manu Messa. Et derrière, donc a priori, Alric Petit, le premier espoir qui serait aux alentours de la 7e place. Il y a le caméraman, les risques qu'il prend. Et en plus, il faut qu'il tienne sa casquette. Et il faut qu'il fasse ça sans gêner les coureurs qui arrivent derrière. Bon, c'est un vrai exercice. Hein. Ah, donc on a des groupes là plus nombreux. Là, on arrive dans la zone de ravitaillement hein, bientôt. Voilà, au ravitaillement du collet du Tats. Avec Corentin Capelier, je pense, Mathieu Le Fur et un Esclops devant, peut-être Kylian Allaire. Alors ce sont des ravitaillements qui prennent ou qui prennent pas, mais ceux qui prennent, c'est à la volée. Hein. Ça,
ils essaient de ralentir le moins possible pour pas perdre de temps, évidemment. En tout cas, la suite de la course s'annonce palpitante, parce que là, pour la sélection, ça reste très 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 serré. Et Thomas Cardin qui passe en marchant. Voilà, c'est pas pour ça qu'il va aller forcément moins vite qu'en courant, mais c'est, chacun a sa technique. Il y en a qui sont plus à l'aise, qui ont plus de rebonds, qui vont plus à l'aise en courant. Concentrique dans les quadris, et comme Thomas, il préfère marcher, mais ça marche très très vite. Hein. On n'est pas du tout dans des allures lentes. Là, c'était Esteban Olivero qu'on vient de voir passer. Thibaut Humbert doit jouer dans la Edouard Dupas dans les 20 premiers. Thomas Butez, il me semble. Ah, il y a un beau trou quand même. Hein. Mais là, ouais. Voilà, je pense que ceux qui ont les bonnes jambes vont quand même commencer à essayer de jouer un peu leur carte. Voilà, Quentin Melleux qui a très bon grimpeur, qui est passé devant. Théodore Klein qui passe plus en courance. Alex Finn, Jérôme Blanc, Manu Messa, Petit Trot. Voilà, il y a plusieurs styles. Petit Trot, petite foulée dynamique. Et puis la marche comme Thomas Cardin, plus en force. Plusieurs Chacun en fonction de ses qualités. Et de son gabarit. Et de son gabarit, évidemment. Manu Messa, c'est un gabarit de poche, un rapport poids-puissance qui est excellent. Camille Cuche-Rousset, Ludwig Fernandez. Yanis Lecomte du CMI Tulin, qui est un club qui a beaucoup de participants aujourd'hui. Basile Basset. Voilà, on revient devant. Mathieu Le Fur. Dylan Ribeiro. Tristan Calamita. Pas reconnu avec ses lunettes, mais Florent Bernabeu, je pense, d'Annecy. Allez, Thomas Cardin de nouveau. Allez, ça recourt. Il relance. Voilà, le sommet de la bosse, là, une petite relance, et puis après, ça va descendre une petite enfilade un peu plus technique que la première descente. Donc, ça sera encore d'autres qualités. Il faut être habile, il faut savoir où poser ses pieds, anticiper, lire les trajectoires, anticiper le terrain. Ah, il nous refait le coup. Il nous refait le coup de la marche, mais il repart. On a l'impression qu'il est au bout du rouleau, mais je pense que c'est plus une gestion parce qu'il relance finalement très fort derrière. Et il n'a pas perdu de temps. Mais c'est du grand Thomas Cardin. Hein. Ouais. Pour Thomas, l'essentiel, c'est qu'il ait pris un bon petit déjeuner ce matin. C'est un gros mangeur. Il compense toutes ses dépenses de calories. La nourriture, c'est important. Donc s'il a pris un bon petit déj, et s'il est content d'être là, ça fait ce qu'on est en train de voir. Il va bien, il est en pleine bourre. Il a l'air confiant, il s'est pas retourné, on l'a pas vu regarder derrière, voir ce qui se passait. Et il a fait sa course, je pense, il se soucie pas trop des autres. Là, si le caméraman s'arrête un petit peu, ça va nous permettre de juger un petit peu de l'écart. Voilà, parfait. Oh, dommage, on va pas voir l'écart, mais... Vincent Vitoz, l'ancien coach du biathlon de l'équipe de France, qui est là, qui est un très très bon coureur aussi. Ludovic Pelé, pour les anciens qui connaissent, un ancien international de course en montagne. Kylian Allaire qui m'a l'air dans la difficulté. Ouais, il va y avoir des surprises, et puis il va y avoir des déçus qui ont loupé leur course. Et Kylian, eh ben, il a l'air d'en faire partie, qui avait fait une super course de sélection l'an dernier. Et là, de superbes images hein, sur la crête des Baumes, là, magnifique. Hein. On se rend compte de la vitesse, on voit que ça va très vite. Là, ça court. Thomas, et je vous le dis, ça, c'est dans un contexte de fin de stage. Hein. C'est un stage où ils ont eu des sorties de 3 heures, 4 heures en montagne du côté du Puy-Marie avec des conditions météo qui n'étaient pas fameuses, hein, franchement. Et ils ont une condition physique très... hors du commun, quoi. C'est énorme. Et merci vraiment à Gontré Isnard, à Timothée Molinier qui sont là, qui vous proposent ces images en direct avec leur drone sur cette crête. C'est absolument magnifique. Vous êtes avec la tête de course. On a de la chance, il est jaune fluo. Il rayonne, le Thomas. Hey, Thomas, on a fait une dernière séance vendredi. Il était fatigué, mais je vois qu'il a bien récupéré. Et il nous le prouve... avec ce début de course hyper rapide. Et il y a quand même un écart, hein. Il y a au moins 20 secondes. Voilà, là on a un groupe de 1, 2, 3, 4, 5 toujours. Toujours le groupe de 5. Et finalement, les entre guillemets moins bons descendeurs du groupe arrivent à suivre. Justement, parce qu'ils n'ont qu'à suivre. C'est
c'est pas toujours facile à faire. Et puis ils ont une telle envie de se sélectionner, les choses n'étant pas faites pour l'instant, s'ils ne suivent pas maintenant, ils n'y arriveront pas, quoi. Donc ils y vont. Ils sentent que c'est décisif, hein. Là, pour la sélection ils sont 5, donc Thomas qui ne va pas y prétendre, mais ils sont 5 pour 4 places. Derrière il y a un petit écart, donc on voit bien que le bon wagon il est là. Et bah, il ne faudra pas faire dernier du groupe si on veut gagner sa qualif. Donc ils l'ont en tête, hein, ça. Je pense que tout le monde a la sélection en tête dans ce groupe-là. Ils savent que Thomas ne va pas jouer la qualification. Donc ils savent très bien où ils en sont. Ouais, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, hein, Thomas Cardin qui est devant est déjà sélectionné pour les championnats du monde sur le format court du trail. Donc lui, il est là dans le cadre de sa préparation, et puis peut-être même pour aller chercher un nouveau titre de champion de France. Mais les 4 sélectionnés en course en montagne seront donc derrière lui. Donc dans ce groupe de 5, si les choses ne bougent pas. Voilà, des petits écarts qui se créent. On voit Jérôme Blanc et Manu Messa, légèrement en retrait. Mais on sait, hein, Alex Fine est un très très bon descendeur. Et je peux vous dire que ça fait très plaisir de le voir à ce niveau, parce que mois difficile et on est très très content de le voir jouer le podium là. Il m'a dit hier soir quand on s'est quitté avant d'aller se coucher. Mais tous les espoirs sont permis, quoi. Et il est passé par des moments extrêmement durs, mais ses potes, il nous expliquait hier à la conférence de presse que c'est vraiment son club, ses amis. Ses amis de l'équipe de France qui l'ont maintenu, qui lui ont maintenu le moral. Et maintenant, hier, déclaré qu'il était là aussi pour aller chercher le titre avec son club. Donc il est très motivé pour la notion d'équipe. Et si ça peut générer une sélection d'équipe de France, le bonheur sera total. Ouais, ils sont bien partis par équipe avec Jérôme et puis Tristan qui a l'air pas très loin. Et puis d'ailleurs son frère Sébastien. Donc il pourrait faire carton plein. Il faudra encore descendre et puis remonter, mais on voit bien qu'il a retrouvé le niveau physique et si la santé va, ce sera un client pour les championnats du monde. Au championnat du monde de course en montagne en Argentine en 2019, à 2 km de l'arrivée, avant la partie sur le Gaudron, il était 3e et il s'est fait battre par 2 athlètes qui étaient en embuscade. Mais donc ça veut dire qu'il a fait quand même 5e au championnat du monde et c'est vraiment un très 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 bon athlète qui sait se préparer et qui a une vie professionnelle compliquée et engagée, puisqu'il est avec son frère jumeau qui est dans la course aussi. Ils sont gérants de leur propre affaire, donc une boulangerie-pâtisserie, et il faut... C'est pas du tout compatible avec du haut niveau, ça l'est probablement pas complètement, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Et ce qu'il fait, c'est vraiment un véritable exploit, parce qu'il n'est pas juste employé, hein, c'est son entreprise. Hein. Il a généré des emplois et ils font du pain au feu de bois, etc. Donc ils font les choses très bien. Et ils sont performants autant dans leur métier que sur les terrains de course en montagne. Donc c'est vraiment des gamins exemplaires. Oui, puis humainement, ça reste des exemples d'humilité et de travail. Donc vraiment, dans une équipe, c'est important d'avoir des coureurs comme ça où toujours tout va bien. Donc vraiment, on est très très content de le voir à ce niveau. Alors ça défile la tête de course va arriver sur la partie la plus basse du parcours, où il y a vraisemblablement un peu moins de réseau, donc on aura un peu moins d'images, et on attend impatience quand ils vont remonter sur cette dernière bosse d'environ 400 mètres de dénivelé, qui est un peu plus roulante que la première, mais avec des ruptures de pente, une petite relance au milieu, avant un bon petit talus avant de prendre le chemin en balcon qui ramène au collet du Tats. Alors vous voyez que tout est relatif, hein, puisque Julien nous parle d'une bosse de 400 mètres de dénivelé roulante. Ce n'est pas la vision que la grande majorité des personnes peuvent avoir d'une telle bosse. Mais en tous les cas, pour des coureurs entraînés, ça reste une pente relativement roulante. Donc la fameuse, ça doit être la fameuse crête des Baumes, où on a d'un côté Super Dévolu, de l'autre côté la Joue du Loup. Et
et le plafond nuageux qui reste bien présent. Mais là, on peut dire qu'on a de la chance parce que hier il pleuvait, avant-hier n'en parlons pas, et aujourd'hui ils ont annoncé la pluie à partir de 11h midi, donc on y est, mais il n'y a toujours pas de pluie. Donc tout va bien, tout va bien, les conditions sont pratiquement idéales, puisque la température est tout à fait acceptable pour courir et pour réguler la température des coureurs d'ailleurs. Donc ils doivent être très très bien en train de courir. Donc championnat de France, le dernier qui a eu lieu ici a été exceptionnel. Bah, on pourra dire que celui-ci l'est aussi. Voilà, les coureurs défilent sur ces crêtes. Alors on a de la chance parce qu'avec le drone, ils regardent un peu plus leurs pieds. Ils doivent piloter leur corps, donc ils en profitent sûrement un peu moins que nous, mais nous en tout cas là, au fond derrière. Mais eux auront l'occasion de revoir le direct en replay, et donc ils pourront aussi apprécier ces prises de vue et partager ce genre de replay avec vos amis. Racontez-leur ce qu'est la course en montagne et puis bah, faites-leur voir, ça peut donner envie à beaucoup à participer à ces épreuves. En tous les cas, ça met en avant les territoires d'une manière extrêmement qualitative, et évidemment qu'on est dans un lieu mais d'une beauté absolument incroyable, et on a la chance d'avoir cette petite neige encore sur les hauteurs. Alors évidemment on aurait préféré qu'il n'y ait pas autant de nuages, mais bon, pareil qu'il ne faut pas organiser des événements au moment des saints de glace, donc c'est ce qu'on a fait, mais on ne le regrette pas parce que finalement les conditions sont bonnes, on n'a même rien de soleil au moment où je vous parle. Alors dans les nuages au-dessus de la station de Super Dévoluy, c'est le fameux pic de Bure. Je ne sais pas si on en a parlé déjà au cours du direct, mais Pic de Bure, où il y a un des plus grands observatoires d'astronomie, et le Dévoluy, où on a un des ciels les plus clairs, donc c'est pour ça qu'il y a un observatoire qui a été placé sur ce grand plateau calcaire en haut du Pic de Bure. Alors hier j'ai bu une bière qui s'appelle la bière de Bure, donc c'est pour ça, d'accord, ok, je comprends mieux, elle était excellente d'ailleurs. Alors en attendant que la tête de course revienne, on refait peut-être un point sur pour ceux qui nous rejoignent sur ce qui s'est passé en début de course. Donc Thomas Cardin a pris la poutre d'Escampette. Il possède une bonne vingtaine de secondes d'avance sur un groupe de 5, emmené par Théodore Klein et Alexandre Finn, avec Quentin Melleux, Jérôme Blanc et Manu Messa. Alric Petit, Dylan Ribeiro, Mathieu Le Fur en embuscade. Alric Petit, Mathieu Le Fur qui sont espoirs, donc qui vont jouer le titre espoir, qui n'est pas rien, un titre de champion de France dans une catégorie espoir, ça lance toujours une carrière. Donc on va voir aussi qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, ça va être la course dans la course. On va en profiter pour accueillir un nouvel invité, qui est là, Yvan Chex, qui dirige l'agence de tourisme départementale ici, développement économique du département des Hautes-Alpes, et donc qui est un des co-organisateurs qui soutient ce championnat de France donc de course en montagne. On imagine, on le voit, il y a du soleil, il y a 800 inscrits, il y a une course magnifique. Vous devez être quelqu'un d'heureux ici pour voir ce développement de cette activité de la course en montagne. Ah oui, ce sont des moments incroyables. Tout le week-end, le massif du Dévoluy et le département des Hautes-Alpes ont vibré autour de cet événement. Et depuis le début de la matinée, on voit des choses incroyables avec des faits de course, avec un bel état d'esprit. Et puis cette course qui ne ressemble à aucune autre. On avait déjà eu la chance dans les Hautes-Alpes et le Dévoluy d'organiser, vous l'avez dit tout au long de la matinée, cette épreuve il y a 2 ans dans des conditions dantesques. Il avait neigé la veille. Aujourd'hui, les conditions météorologiques sont différentes. Mais que c'est beau, que c'est beau. On est ravis, vraiment ravis de vous accueillir ici. Alors on en profite pour décrivez-nous un petit peu votre territoire, ce département, notamment d'un point de vue évidemment touristique. Il y a, j'ai l'air, la France entière qui nous regarde pour dire de venir. Je disais, la saison d'hiver évidemment est terminée avec du ski alpin, du ski de rando, mais il y a le printemps et l'été qui s'ouvrent. C'est un plaisir de parler des Hautes-Alpes sur TV8 Mont-Blanc. Les Hautes-Alpes, c'est le département le plus préservé de l'arc alpin.
C'est un département parmi les moins peuplés de France, 140 000 habitants, quand on les compare aux millions de Savoyards, on pèse peu de choses. Et dans ce département, on a la chance d'avoir une nature préservée et puis surtout un site idéal pour la pratique des activités de plein air. C'est pour ça qu'on organise tant d'événements internationaux ou nationaux. Aujourd'hui, c'est la course en montagne. Dans quelques semaines, ce sera le canoë-kayak sur le stade de l'Argentière-l'ABC, le mondial de l'escalade à Briançon ou encore des championnats internationaux de parachutisme à Talar. C'est vraiment un site qui ne ressemble à aucun autre. On le voit sur les images. C'est une image superbe là. C'est la crête des Baumes. Alors moi, je suis un enfant du pays, je suis né, je vis au Dévoluy, donc je suis forcément très subjectif, mais c'est magnifique et ça l'est encore plus. Alors, toute objectivité, c'est dégagé. Oui. Et puis on est très attentif parce que la course est en train de se dénouer, les meilleurs hommes vont arriver dans quelques minutes. Et puis on a un autre enfant du pays qui court, c'est Tristan Calamita. Absolument. Un des organisateurs qui nous a beaucoup aidé à être ici. C'est grâce à lui si on a la chance d'avoir cet événement-là. Et on m'a dit que vers la crête des Baumes, Tristan était dans le top 15. Donc voilà, on le suit de près. Puis j'espère qu'il va confirmer une belle performance comme il avait fait il y a 2 ans déjà ici. En tout cas, merci beaucoup à vous. On est très heureux d'être ici dans les Hautes-Alpes. Effectivement, hein, c'est les Grandes Alpes, le Nord, le Sud. On est très heureux de pouvoir suivre ça. Et puis, c'est vrai qu'on est sur Huit-Montbans, mais sur les réseaux, sur vos réseaux, hein, sur ceux du Dévoluy, sur ceux également sur Athlée TV. Donc, il y a vraiment une diffusion très importante sur la chaîne 100% Outdoor. Merci. Et si je peux me permettre, les gens qui sont ici sont tous rivés sur leurs écrans parce qu'ils suivent la course en direct et apprécient la qualité des commentaires. C'est un bon moment. Merci à génial. Tous. Merci beaucoup. À très vite. Je vais demander justement pour cette fin de course à nos deux consultants de revenir. Merci. Merci. Donc, Julien. Voilà, donc et à Olivier. À vous. Alors, Quentin Mello, Théodore Klein, Alex Finn, je ne sais pas si Thomas Cardin était passé. Voilà, là, ça se décante vraiment, hein. On est dans la dernière montée, là tout le monde jette ses dernières forces dans la bataille. Il est passé. Il est passé Thomas Cardin, donc Thomas Cardin en tête. Et Quentin Mello et Théodore Klein, donc qui prennent un petit gap sur Alex Finn, mais le podium. Quand tu dis qu'ils prennent un petit gap, c'est marrant ça, parce qu'il est de gap quand même, et Alex Finn. Le jeu de mots était pas volontaire. Mais tu l'as fait involontairement, donc c'est formidable ça. Allez, il fait un petit écart, on va dire. Là, ça va être décisif. Hein. On est sur le pied de la dernière difficulté. Une portion assez raide, ça va relancer un petit peu derrière. Mais on attend de voir un peu les écarts avec donc Jérôme Blanc et Manu Messa qui doivent être en embuscade. Puisqu'il reste encore une place à prendre pour l'équipe de France, a priori, puisque Thomas Cardin. Et là, ça doit aller très très vite, c'est pour ça les caméramans, ils n'ont pas un travail facile, parce que pour suivre une tête de course comme ça, il faut déjà avoir un sacré moteur. Ah ben là, on a des cadreurs coureurs très motorisés, voilà, entre l'équipe 8-Mont-Blanc, celle aussi d'ici, on le rappelle, hein, il y a Nicolas et Valentin, oui, pardon, qui sont deux locaux, deux gros coureurs, ceux qui nous proposaient les images là, de la fin de course. Et puis on a nous, notre équipe habituelle avec Mathis que vous avez vu faire le départ qu'on va voir aussi sur l'arrivée, Simon, Jeanne, Hugo et puis les drones. C'est un travail collectif d'équipe, mais c'est vrai qu'on entendait, j'entends dans l'oreillette, on nous dit que ça va très 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 vite. Oui, sur les épreuves courtes comme ça, c'est pas possible de suivre très longtemps les coureurs. Et donc là, en plus, le réseau en bas est difficile. Donc là, on est revenu sur la crête des Baumes, sur la deuxième partie du peloton qui continue à se faire plaisir. Le petit single qui zigzague là, c'est agréable pour tout le monde. Donc là, on doit voir le col du Noyer pour les cyclistes qui connaissent au fond du panorama. Donc là, on revient proche de la ligne d'arrivée. Je pense que
Ça doit être Mathis qui attend. Non, là c'est le collet du Tats, voilà, ils vont remonter. C'est la fin de cette dernière ascension de 400 mètres de dénivelé, où il y a un petit ravitaillement. On y arrive par une petite relance, un petit sentier en balcon très, très sympa, très joueur, en sous-bois. Ouais, exactement. Un sol très doux. Et ouais. on voit un peu de monde et des... Et j'ai croisé François Daen qui était sur le parcours tout à l'heure pour encourager les coureurs, c'est très sympa. François Daen, William Bombardion, un skieur alpiniste de l'équipe de France. Donc on voit qu'il y a du beau monde sur le parcours. Alors, c'est Théo Bourgeois, je pense, de dos. Mathieu Le Fur devant. Donc Robin Juillaguet, des Esclops. Là, je pense que le match est lancé pour le classement par équipe entre Gap et les Esclops d'Azun. Encore un Esclops d'Azun, ça c'est Maël Allaire qui doit jouer aussi le podium en espoir. Donc là, vous voyez, à tous les niveaux de la course, il y a des choses qui se jouent. Hein. Même si on est aux alentours de la 15e place, il ne faut rien lâcher parce qu'on a à la fois le classement par équipe, le classement par catégorie. Et ça, c'est important pour tout le monde. Un gars pensé, alors c'est peut-être Sébastien Fine. Donc oui, là on a vraiment le match dans le match entre les Esclops d'Azun et Gap Hautes-Alpes Athlétisme. Voilà. On n'a pas vu Tristan, mais il était tout à l'heure un petit peu devant. Gap, ils jouent à domicile, hein, donc ils ont cette fierté aussi de porter leur terroir avec eux et ils veulent vraiment y aller, quoi. Et puis les frères Fine, on peut leur faire confiance pour rien lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc. Là, il va vraiment y avoir une grosse, grosse bagarre par équipe. Ils n'ont jamais gagné le titre, je pense, Gap. Ça serait non. La première fois, donc ils ont vraiment à cœur de le faire chez eux. Donc Sébastien Fine, le frère d'Alexandre. Et derrière, je vois un de mes coéquipiers, Édouard Dupas, qui est un très bon coureur sur route, qui a couru 29-43. 13e l'an dernier. Julien Navarro, voilà, on doit être aux alentours entre la 10e et la 15e place. Julien Navarro qui va jouer lui peut-être le titre en M0 puisque Manu Messa et Jérôme Blanc sont M1. Et on revient sur la tête de course avec Thomas Cardin, voilà, sur la partie qui relance un peu plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va rester un dernier gros taquet et puis le sentier en balcon, mais en tout cas là il a pris un ascendant qui est sûrement décisif. Accompagné par notre cadreur Valentin, merci à lui, il court avec la tête de course, on va essayer de rester avec lui le plus longtemps possible. Merci à lui. Et là, un sentier très agréable. Beaucoup d'herbe, c'est doux. Ça tape pas, on est... Là, il n'y a pas de question à se poser. Il faut dérouler, avoir la foulée la plus économique et la plus efficace possible. On n'a pas de vraie technique à mettre en œuvre. Hein. Il faut courir, il faut lâcher les watts. Ouais, là, il a tourné à droite, donc la partie un peu plus pentue. Il reste pas grand-chose, peut-être 50 mètres de dénivelé là à combler. Il va retourner sur la gauche et prendre un sentier en balcon un peu plus roulant. Donc vraiment là, on est dans le money time, comme on pourrait dire. Et pour l'instant, il se retourne toujours pas. Je pense qu'il a encore creusé l'écart. Voilà, on voit, il se met à marcher. Mais la pente, alors je pense que ça adoucit un petit peu la caméra, mais c'est... C'est très très raide. Et ça va lui permettre sûrement de relancer un peu plus vite, un peu plus fort, chaque fois qu'il va y avoir un petit passage un peu plus plat. Donc ne vous inquiétez pas si vous le voyez marcher quelques pas. Il a une technique de course, il est toujours très aligné, toujours très équilibré. Et puis un pied qui est très solide au sol, qui renvoie très très bien. Alors sur des portions de parcours comme ça, avec des parties un peu roulantes, il est très à l'aise. Ouais, Thomas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Et on l'a jamais vu se retourner. Hein. C'est dire qu'il a confiance en ses jambes. Il sait que ça doit être difficile de rentrer derrière. Donc il fait sa course et ben, il ne s'est pas posé de questions. Il a mené depuis quasiment la deuxième partie de la première bosse. Puis lui, l'avantage qu'il avait aussi, bah, c'est d'être complètement détendu, puisque il n'a pas d'enjeu à part aller chercher le titre. Mais il a déjà sa sélection, donc il n'est pas crispé.
Et puis, bon, on l'a vu, hein, il marche quelques mètres l'histoire de, en haut des bosses pour se relâcher. Et puis, il se relance dans la descente. Donc, il n'est pas dans un mode de grand stress. Et ce qui fait que bah, il court relâché. On le voit dans les descentes. Les appuis s'enchaînent très, très bien. Et oui, du coup, il ne regarde pas derrière. Il a tout à gagner ici. Donc, il fait sa course et puis... Et puis ça le mène pour l'instant sur le titre de champion de France. Ça serait son premier. Alors il a été déjà champion de France de trail court, champion de France de trail long, champion de France de course en montagne. Ça va commencer à faire un beau petit palmarès. Ça, je pense que ça n'a pas été réalisé par beaucoup de coureurs. Ah, je pense pas. Mais ça montre bien tout son niveau, toute sa capacité physique et mental pour le coup, parce que il est capable d'aller loin dans la douleur. Et puis là on voit que... Si en balcon l'écart a l'air important, ça sent tout bon pour Thomas là, hein. Et c'est vrai que ça montre sa polyvalence, hein, quand même, parce que trail court, trail long, course en montagne, et c'est un excellent crossman aussi, hein. Il n'est pas allé jusqu'au championnat de France cet hiver puisqu'il avait préparé les championnats de France de trail, mais c'est un excellent crossman, donc vraiment un coureur très complet. Et aujourd'hui, on avait dit le parcours allait sacrer un coureur complet. Je pense que Thomas est un des coureurs les plus complets du peloton, donc c'est vraiment pas une surprise de le voir aux avant-postes. La seule question qu'on avait, c'était est-ce qu'il avait bien, il aurait bien récupéré du stage de l'équipe de France de trail cette semaine. Et on a désormais la réponse. Je pense que la récupération, ça va se poser à partir de demain, quoi, en fait. Hein. Parce que là, il a tout enchaîné. Il est dans une période d'entraînement intense, un gros bloc de travail, et tout ça en prévision du championnat du monde. Hein. Donc, il est encore dans cette période où il faut accumuler du dénivelé, des kilomètres, et pour le coup, de la vitesse. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et j'imagine qu'avec son coach, ils ont déjà programmé la suite pour arriver sur une pointe de forme au championnat du monde, où il a une vraie carte à jouer. Et là on voit l'écart, hein. On attend, je pense, le deuxième coureur. C'est un écart très important, mais on est impatient de voir qui va sortir du bois, parce que là on joue le podium, on joue la sélection. Et alors j'en profite, parce que vous êtes très 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 nombreux à nous suivre, je l'ai dit en télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, et notamment du Cambodge. Voilà, donc il y a des amis cambodgiens qui nous suivent. Merci à eux sur Facebook. On les salue. Voilà, Quentin Meleux qui a l'air d'être en deuxième position. C'est chouette, ouais, d'avoir des Cambodgiens qui nous suivent. La course en montagne, c'est quelque chose de... C'est une discipline internationale, hein, puisqu'on a, le continent africain qui est représenté sur les grands championnats, les Ougandais notamment, qui sont très, 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 très forts, qui sont très impressionnants dans les montées, évidemment, mais dans les descentes, c'est fou ce qu'ils sont capables de faire. On a beaucoup de pays, évidemment, là où il y a des massifs montagneux, bah, tout le monde peut courir en montagne. C'est une discipline qui est assez bien structurée au niveau international, avec toujours des championnats de très haut niveau. Voilà, et donc Quentin Meleux, notre style, avec les pieds un petit peu écartés, qui sait qu'il est beaucoup avec les bras un peu moins dans l'axe, dans les portions descendantes. Là, ça zigzag, c'est très joueur, hein, c'est très agréable à courir. Alors, il doit souffrir un petit peu, mais c'est un sentier que tout le monde aime bien sur ce parcours. Ah, c'est pas un parcours où les coureurs s'ennuient, hein. Il y a toujours une chose à penser, il y a toujours une question à se poser sur la trajectoire, sur l'appui, et puis la gestion des adversaires aussi, hein. Ouais. Là, il se retourne pas non plus, donc il y a des écarts qui ont dû se créer. Et Quentin, bah, ce serait aussi sa première sélection, son premier podium au championnat de France, et donc sa première sélection en équipe de France. Et on voit que le groupe de 5, c'est complètement disloqué. Hein. Voilà, on revient sur Thomas qui va arriver au col. Voilà, il va lui rester 5-6 minutes de course là. Essentiellement de la descente avec une ou deux petites relances, mais rien de difficile. Ça ne devrait pas entraver sa marche vers la victoire. Oh, puis il est à l'aise, voilà. On a vu sa foulée là, ça rebondit encore très très bien. Hein. Il y a beaucoup de renvois, il est relâché. Voilà, il va faire le tour. Il va faire passer le tour. Passer au ravito, redescendre. Voilà. Voilà, là il lui reste. Voilà. Là il est imbattable. C'est... Il a gagné. J'espère qu'il va bien profiter de tout ça. Il va prendre un petit ravito quand même. Ouais. Voilà, il va même prendre le temps de marcher. Voilà.
totale décontraction. Hein. Il est très très serein. Allez, une course en maîtrise. Hugo qui le suit. Comme on dit. Allez, Hugo, il va essayer de tenir. Il a géré. Qui va en garder un peu pour la fin, mais pas sûr, connaissant Zoma quand même, c'est un vaillant comme on dit dans le jargon. Donc il va peut-être pas courir à la petite semelle. Il fait le point, il regarde sa montre. Il devait avoir un tableau de marche, j'imagine, puisque s'il regarde sa montre, c'est qu'il veut savoir où il en est. Ouais, il sait très bien où il est, parce que je l'ai croisé justement à l'échauffement tout à l'heure au collet du Tats. Donc il a repéré la dernière descente, donc il sait très bien où il est. Ouais. Alors il y a un bénévole qui joue d'un assaut. À cet endroit-là, c'est pour ça qu'il a fait un petit geste avec ses mains, c'était pour remercier. Oui, il est bien décontracté. Alors, quand même. Alex Finn, oh là là, quelle bagarre! Alex Finn, Théodore Klein, Manu Messa, voilà. Donc 3e, 4e, 5e a priori, à moins que Quentin Melleux ait été doublé, mais je pense pas. Ah, ça va être chaud! Donc la sélection commence à se dessiner. Allez, il y a un caméraman qui vient de prendre la suite. C'est Mathis qui suit derrière. Voilà, donc Thomas Cardin, il y a un écart. Normalement, Jérôme Blanc, là, qui vient de passer, qui doit être en sixième position, du coup. Alors ça, c'est une fille qui termine son parcours. Et il y a encore le podium qui se joue, là. Hein, donc, a priori, il ne reste plus qu'une place pour les trois, mais les trois devraient décrocher leur ticket pour les championnats du monde. Donc... Et on vous a parlé de Manu Messa au début de la retransmission. Hein. On vous a dit hein, que les anciens, et c'est amical quand je dis ça évidemment, hein, bah, qu'il était prêt, qu'il avait bien ciblé cette course-là. Donc il est là. Ouais, ils ont l'air pas de si loin. Quentin Melleux qui est un peu devant, mais qui grimace, c'est dur. Mais c'est dur pour tout le monde. Donc là, quand on a une breloque qui nous tend les bras, on retrouve toujours quelques ressources, même dans les relances qui font mal aux jambes, comme dans la partie où il était. Et Thomas, lui, qui a passé toutes les relances, là, il se dirige tout droit vers la victoire. Non, il y a encore une petite relance là à tout plat. Tout droit, c'est une façon de parler hein, quand même. En tous les cas, il se dirige vers la victoire, ça c'est sûr. Il va bien. Hein. Il va très très bien. C'est de bon augure hein, pour sa prépa championnat du monde. En tous les cas, nous, ça nous rassure. Parce qu'on se dit qu'après la médaille par équipe qu'ils ont fait au championnat d'Europe, la médaille par équipe qu'ils ont fait au championnat du monde, il y a peut-être quelque chose à jouer encore cette année. Ouais, les gens sont montés un peu sur le parcours, là, il commence à y avoir du monde, il va basculer. Du coup, je prendrai deux. Et à Innsbruck, on aura une fin de parcours un peu similaire avec la descente. Ouais, alors sur le trail court, il y a une longue descente de 1400 mètres de dénivelé, donc c'est encore plus long, mais. Mais ça termine en descente également. Voilà, il va plonger dans 2 minutes. Dans 2 minutes, il est là, même pas. Oh, il saute même. Ouais, très très à l'aise encore. En haut, hein. C'est des signes, ça, quand on arrive à maîtriser les appuis, à sauter par-dessus les cailloux facilement, c'est que musculairement, on en a encore. Et là, bah, je crois qu'il est encore très très aérien. Hein. C'est impressionnant. Très très belle victoire. Voilà, Philippe Propage qui est sur le côté, il prend même le temps de le saluer. Il fait la bise à son coach. C'est énorme. Impressionnant. La lucidité, il relance. Comme s'il allait faire le dernier sprint. C'est dur pour Mathis, qui était quasiment arrêté, qui doit relancer aussi. Mathis, hein, notre cadreur, la coureur. Mais est-ce que Mathis a fait la bise à Philippe Propage? Il n'a pas eu le temps, il était un peu surpris. Voilà, Thomas Cardin qui va déboucher dans la dernière ligne droite. Un nouveau champion de France de course en montagne. Quand on vous dit qu'il était décontracté, s'arrêter pour faire la bise à son coach, ce jour on l'avait encore jamais vu. Taillefer Taille. Try Team Thomas Cardin, voilà, champion de France 2023, qui rajoute une ligne de champion de France à son palmarès. Bravo Thomas, tout en maîtrise. Bravo. Voilà, une belle victoire. On savait, il avait terminé déjà deuxième il y a 3 ans, derrière Sylvain Cachard, qui est le grand absent de la journée. On lui fait un petit coucou à Sylvain, il est un petit peu malade là ces derniers temps. On espère le revoir très vite en pleine forme au plus haut niveau. On n'en doute pas une seconde, mais c'est toujours des moments pas forcément évidents. Donc petit coucou à Sylvain
et Thomas Cardin bah, qui vient lui chipper son titre. Et ça descend vite là-bas et la bataille n'est pas terminée hein, pour le podium hein, parce qu'on vient de les voir passer sur les hauteurs. Ça va vraiment fighter jusqu'au bout. Voilà Quentin Melleux qui va s'approcher de la dernière ligne droite. Lui aussi il doit être content, il doit savourer. Voilà, alors nous on a le visu sur la ligne, voilà, il va déboucher dans la dernière ligne droite. Ouais, il doit être heureux parce qu'il attendait depuis un ou deux ans ce podium, cette sélection. C'est pas très loin. Ils sont et là, quatre. Il y a toujours la bagarre à trois derrière. Non, ils sont trois du coup, parce qu'il y a le cadreur. Et Alex Finn qui est en train de prendre le dessus sur Manu Messa et Théodore Klein. Alors là, il y a un sprint à trois, ça va être magnifique pour la troisième place. Quentin Melleux, vice-champion de France. Bravo. Et Alex Finn, Théodore Klein. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh, c'est très difficile de dire qui a pris la médaille de bronze. Alex Finn qui a chuté sur la ligne. Qui a plongé. Je pense, la photo finish, ça va être très très difficile de voir entre Théodore Klein et Alex Finn qui a pris la médaille de bronze. Manu Messa, lui, a pris la cinquième place. Donc on devrait avoir notre sélection. Quelle bataille jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, c'est dingue. Incroyable ce finish là pour la troisième, quatrième et cinquième place. Et Jérôme Blanc qui arrive. Jérôme Blanc, donc ça c'est important. Alors Manu Messa qui va être champion de France. Peut-être essayer de les chercher, de les faire venir au plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer d'aller les chercher. Voilà. Jérôme Blanc, très grosse performance aussi. Sixième. Esteban Olivero. Esteban, c'est bien, c'est un tout jeune. Espoir. Et champion de France espoir, hein, Esteban Olivero. Qui était international junior déjà. Et Aldric Petit, vice-champion de France Espoir de l'Entente Athlétique de Grenoble. Wow, les jeunes sont là. Et la bagarre continue parce que je vois le maître des lieux arriver, Tristan Calamita, et ça fait plaisir aussi parce qu'il a dépensé de l'énergie ces derniers jours. Et il nous fait une super course. Mais c'est formidable. Alors par équipe, Gap, là, ils sont pas mal. Hein. Gap déjà, troisième coureur, ça sent bon le titre. Tristan qui visait un top 10. Bah, il est dans son objectif. On n'a pas compté finalement, mais il n'en est pas loin. On n'est pas loin. Mathieu Le Fur, qui doit être troisième espoir, le coureur de Velay Athlétisme. On va avoir ensuite Corentin Capelier, le Lozérien. Et il y a des batailles qui continuent derrière pour les places d'honneur. Jean-Robin Juillaguet des Esclopes, donc le deuxième. Là, il nous manque un coureur de Gap. Le troisième Esclops, Maël Allaire, ça va être très très serré. Théo Bourgeois, un ancien international junior également. Donc là on attend le quatrième entre les Esclops d'Azin et Gap Hotlab Athlétisme. Ça va être très très serré sur les deux premiers coureurs. On a un petit avantage pour Gap, mais là les Esclops ont comblé presque leur retard. Dylan Ribeiro qui en termine également. Le classement, c'est Jean Udry, le classement je me suis par équipe se fait à la place d'Annecy Athlétisme. Donc à la place, le quatrième joue. Ça va jouer probablement sur le quatrième. Alors on avait Sébastien Finn pour quatrième Gap. De l'équipe. Ouais. Julien Navarro dans la dernière ligne droite. Mais quelle course! On savait que la course était très ouverte. On savait qu'il y avait des gens comme Alexandre Fine qui avaient vraiment envie de faire fort et de revenir en équipe de France. Ben vous l'avez vu jusqu'à la fin, jusqu'à se jeter sur la ligne. Le 9 et 3e. Alors le troisième serait. Dupas, qui en termine. Le troisième serait donc Alexandre Fine. Alex Fine qui prendrait la médaille de bronze. Voilà. Thibaut Humbert qui en termine. Et Sébastien Fine qui va venir, je pense, offrir le titre à Gap. Il est en pleurs. Les jumeaux vont s'offrir un titre collectif. Si on peut avoir des images là, justement, sur les deux là, oui, super. On peut dire qu'Alexandre, il est allé la chercher cette troisième place, hein, parce que ce plongeon. Il faut avoir une volonté de faire. Ah, et puis il y a les sprints qui se jouent pour les places d'honneur, mais c'est magnifique. Quel championnat, quelle course, c'est absolument sublime. Merci encore de nous avoir fait vivre ces moments.
Et puis merci une fois de plus à tous nos cadreurs coureurs, aux équipes, à la réalisation, à toute cette équipe mobilisée pour vous faire vivre ce moment exceptionnel hein, de l'athlétisme, de la course en montagne, ici au Dévoluy. Et dès lors qu'on a au commentaire un garçon comme Julien Rancon, plus expert que lui, c'est pas possible, il connaît tout le monde. Et merci à toi aussi Olivier, merci à Laurence. Avec grand plaisir. C'était tellement agréable. Et alors que voilà, l'homme du jour qui arrive, on va peut-être faire un retour plateau. Au milieu, non, je sais pas. Thomas, félicitations pour ce nouveau titre d'équipe de France. Alors, tu as déjà gagné en trail court, tu as déjà gagné en trail long, et te voilà vainqueur en course en montagne. Oui, c'est ça. Trail court en 2019, trail long en 2022, et puis là, course en montagne. Bon, il manquait un peu du monde. Hein, la course, les trois premiers l'année dernière n'étaient pas là. Ils faisaient d'autres choses. Mais voilà, très satisfait de ce titre. Ça fait voilà, je respecte tous les championnats de France. Pour moi, c'est hyper important d'y participer quand on peut. Donc voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. J'avoue que je partais pas très confiant parce que j'ai fait une grosse semaine d'entraînement. Enfin bon, t'as bien vu. On était ensemble dans le Cantal avec Olivier. On va en profiter, on va te remontrer les images, la replay de ton arrivée, notamment le moment où tu salues. Je laisse les commenter. Ouais, la bise à Philippe, ça devient une tradition. Bon, je le fais que quand j'ai le temps, mais c'est vrai que j'avais fait pareil. J'avais fait pareil à la Pastourelle en 2022. Et Philippe, j'avais pas vu depuis longtemps, donc c'est vrai que ça fait plaisir d'être là. C'est mon entraîneur. Et c'est lui qui me soutient au cours de l'année. C'est grâce à lui et puis grâce à ma famille et mes amis aussi que j'arrive à courir à ce niveau-là. Donc voilà, c'est très important pour moi de reconnaître son travail devant tout le monde. Et alors quand on commentait la course avec Julien Rancon, on était admiratif de ton détachement en quelque sorte, puisque on te voyait marcher en haut des bosses, on t'a pas vu beaucoup regarder à l'arrière derrière toi pour voir s'il y avait des écarts, et on te trouvait très souple avec une foule énormément de plaisir sur cette course. Oui, il y avait pas mal de plaisir en fait. C'est ce que je disais aux journalistes juste avant, c'est que j'ai la chance de faire la course à ma main et donc de pas subir les attaques des autres concurrents ni les changements de vitesse. J'ai fait un peu, trois bosses au seuil et puis les descentes très vite. Donc c'était mon allure, c'est moi qui contrôlais. Et puis voilà, ce qui me faisait très très peur, c'était le départ parce que voilà, je suis assez fatigué, donc je savais pas si j'étais capable de partir aussi vite que ça me nécessitait. Et après en boss, voilà, j'ai géré, je connaissais le parcours. Les bosses qui durent 15 minutes en ce moment, voilà, j'arrive à bien les gérer. Et puis une heure de course, c'est pas si long, donc voilà, ça va. Alors nous, on avait l'impression que tu étais en toute décontraction, c'est sûrement pas le cas, mais en tous les cas, le fait d'être déjà sélectionné sur le trail court au championnat du monde, tu n'étais pas là pour une sélection, donc quelque part, tu venais pour finir un cycle d'entraînement. C'était quoi l'enjeu au-delà du titre? En fait, l'enjeu, c'était... j'ai fait un mauvais championnat de France de trail. J'étais très prêt physiquement, j'étais vraiment très bon le jour J, sauf que j'avais cette sélection déjà en poche, grâce à ma course en Thaïlande l'année dernière. Et j'y suis allé trop décontracté, justement. On parle de décontraction, mais là, c'était psychologiquement, j'étais pas prêt à me faire mal. J'ai failli louper le départ à Millau là-bas. Bon, j'étais pas dedans et c'est parti très, très, très vite. Lors de ces championnats de France de trail, il y a deux mois. Et j'ai pas réussi à me mettre dans la course. Il m'a fallu une heure et demie avant de me mettre dans la course. Et après, j'ai pu remonter et faire un effort conséquent. Et du coup, le but d'aujourd'hui, c'était de se mettre justement dans les mêmes conditions, un championnat, donc une course relevée, et d'essayer de faire un départ vite, en étant tout de suite dans la course, investi, prêt à se faire mal, en serrant les dents, et pas attendre une heure et demie avant d'être dans l'effort. Et parce qu'au championnat du monde, on va, même sur le trail court, qui est moyen court plutôt, qui va être dur, ça part toujours très très vite au championnat du monde, et ça part quasiment aussi vite qu'un championnat de France de course en montagne. Tout le monde a le couteau entre les dents. Et du coup, c'est ça que j'ai travaillé aujourd'hui, c'est la mise en pression avant le départ, très bien échauffé pour être prêt à fournir un effort tout de suite et faire un effort très violent et ensuite gérer sur le reste de la course
Donc voilà, à reproduire dans 3 semaines, à reproduire en continuant pendant 2-3 bonnes heures. Et tout ça sur un fond de fatigue, puisque nous étions en stage dans le Cantal, où Adrien Séguré avait concocté quelques séances en accord avec Philippe Ropage, bien sûr, te concernant, où vous donc fond de fatigue, des enjeux sur la vitesse d'entrée de jeu sur ce parcours. Finalement, ta semaine est réussie. Oui, la semaine est réussie. Après, il ne faut pas croire que le fond de fatigue enlève des capacités. Bon, j'étais fatigué, oui, j'avais pas trop d'énergie, mais aussi ça permet au cœur de pas trop monter dès le départ, parce que j'étais fatigué neurologiquement aussi, donc le cœur est pas monté, et donc ça évite de faire un gros pic dans l'effort, et je pense que l'effort était plus lisse, donc la fatigue finalement elle a peut-être aussi servi aujourd'hui. En tous les cas, c'était un régal de voir ta maîtrise aujourd'hui, ta maîtrise même technique, tes appuis qui s'enchaînaient bien, t'avais une forme de rebond, c'était beau à voir, et je pense que la forme est bien là, et elle sera encore meilleure probablement dans 3 semaines au championnat du monde, ou un mois. Avec quelle ambition? L'ambition, c'est le titre par équipe, hein, déjà. On y va avec l'équipe de France, donc c'est pour ça que j'ai jamais eu de médaille mondiale, donc je pense qu'en équipe, on peut faire quelque chose de bien. Et puis l'année dernière, j'étais 6e, donc c'est faire mieux que 6e en individuel. Moi, je rêve d'un titre mondial en individuel ou européen. Donc voilà, on va laisser infuser tout l'entraînement de cette semaine, cette grosse course. Mettre un dernier petit cycle d'entraînement dans les 2 semaines qui arrivent, et ensuite du bon repos pour arriver très frais à Innsbruck. Moi, j'aime bien quand on parle de rêve, parce que là tu me dis je rêve d'une médaille, mais tu vois, Alexandre Fine hier m'a dit, avant qu'on se quitte hier soir, il m'a dit je rêve de revenir en équipe de France. Il a réalisé son rêve, il est là, il fait 3e de la course, il a tout donné, il a même plongé sur la ligne, et ça, c'est le plaisir, c'est le rêve qui vous motive, quoi. Donc l'équipe de France, je crois, va être belle, puisqu'on a passé une semaine de stage incroyable avec les trailers, et il y a du niveau et il y a un état d'esprit hors du commun. Oui, c'est sûr que le collectif, ça joue beaucoup, et on a cette chance en France d'avoir un beau collectif avec un beau staff derrière, et ça fait performer sur les grands événements. Et bravo à tous les autres concurrents, hein, Alex et Théodore, qui se sont battus, et puis j'ai vu Manu aussi derrière, tous des champions. On a des jeunes, on a tout le monde. C'est ça. Bon, merci Thomas, récupère bien. Oui. Mais félicitations, dans quelques semaines, Olivier. Tu nous as régalé, magnifique. Allez, on va demander à Alexandre. Voilà, on va demander à le local de l'étape de venir. On va lui remonter à l'image de son plongeon. Si tu peux venir, on va te montrer l'image de ton plongeon. Ah ouais. Je savais pas que tu avais des compétences en plongeon. Là, t'as appuyé fort sur tes appuis. Ah ouais, c'était limite. C'était phénoménal. Ah oui. Bon, et dans quel état d'esprit tu es au moment où on se parle maintenant? Parce que tu reviens de loin, tu as tout fait pour être en forme et revenir en équipe de France, tu réussis ça aujourd'hui. Alors, raconte-nous. Là, j'ai pas vraiment les mots, c'est juste énorme, parce que je reviens très loin. Et j'ai pas grand-chose à dire, à part que, comme j'ai pu dire à la conférence hier, ce qui m'animait, c'était ce collectif. Et je les sentais pousser derrière, et voilà, je sentais petit à petit la course. J'y croyais pas vraiment toute la course. J'ai cru à la fin de la dernière difficulté. Et je sentais que voilà, je pouvais le faire. Finalement, j'avais les jambes, et c'est la tête qui ferait la différence. Et puis petit à petit, j'ai pensé à mon équipe derrière qui se battait pour cette gagne en collectif. Julien aussi qui commentait la course. Et c'est vrai que c'était une grosse source. C'était une très grosse source pour moi pour remonter, parce que mes derniers mondiaux. Et c'était concrétisé par une 5e place avec Julien qui m'avait lancé, qui avait fait une grosse partie de ma course. Et c'était des moments incroyables qui me restent gravés à vie. Et voilà, je sentais que devant, il y avait l'équipe rêvée. Il y avait Jules qui m'attendait pour pouvoir faire ce déplacement en Autriche. Et voilà, ce dernier plongeon, il était inespéré. Mais c'est tout ça, c'est le mental qui m'a fait prendre cette dernière impulsion pour cette 3e place. Bah écoute, c'est formidable. En tous les cas, nous on a partagé ton bonheur et notre bonheur, hein, de te revoir à ce niveau-là.
On ne va pas aller dans le détail, mais tu as galéré combien de temps? Un an et demi? Ça fait presque un an et demi que je galère. Voilà, bon, bah, c'est vrai que maintenant, bah, y a des hauts et des bas, mais j'essaye d'en faire du passé. Et voilà, donc j'ai pas peur d'en parler. C'est des problèmes digestifs avec des inflammations, surtout l'appareil digestif, un Covid long qui est assez... qui m'a laissé beaucoup de séquelles, et voilà, il y a des hauts, des bas. Aujourd'hui, ça fait un mois que je suis sur une pente haute, et j'espère être au plus haut pour les mondiaux, parce que voilà, remettre ce maillot tricolore, c'est un rêve. Et je vais pas dire que c'est une renaissance, mais c'est une nouvelle aventure. Ah, c'est une nouvelle aventure. Nous, on est évidemment très heureux que tu réintègres cette équipe de France, mais quand on t'a vu descendre, là, avec Julien, on a vu que tu avais retrouvé tes jambes quand même, hein, parce que en descente, tu as toujours cette qualité énorme. Hein. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas eu des sensations, et les dernières séances d'entraînement, une course de préparation qu'on avait fait une belle bagarre avec Quentin Mello, voilà, j'ai repris cette confiance, et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi d'y croire un peu aujourd'hui. J'y croyais, j'espérais pas énormément, mais voilà, petit à petit. T'en rêvais, c'est ce que tu m'as dit hier soir. J'en rêvais, ça fait depuis le début de la prépa que, je vais pas dire que j'en dors plus, mais on va dire que ça me trotte dans la tête. Et voilà, aujourd'hui, je veux remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille, ma belle famille, ma qui a pu supporter ça, parce que bah, c'est pas des moments faciles, et pour moi et pour les autres, mais aujourd'hui j'ai qu'un seul souhait, c'est leur dédier tout ça. Tu sais à quoi reconnaît un grand champion, hein? C'est celui qui se remet des points bas, hein, pour aller rechercher des points hauts. Tu es en train de faire ça, et je pense que ça va le faire au championnat du monde. Bah, en tout cas, je suis un peu sur la même pente que cette cinquième place que j'avais pu faire, qui s'était concrétisée sur mes derniers championnats, et je retrouve des sensations, je ne sais pas si j'arriverai à remonter, retrouver les sensations, cette sensation d'euphorie que j'avais pu trouver à ces mondiaux. Mais voilà, il y a une équipe sur le trail court, sur le trail long, il y a une délégation qui est monstrueuse, et tout ça, ça va nous porter très haut. Génial, ben, merci beaucoup, et puis bonne récup, et puis on se revoit bientôt. Et puis on se retrouve pas très dans pas très longtemps. Julien, mais viens faire cette interview, Julien, c'est tes potes tout ça. Voilà, alors on accueille le vice-champion de France, Quentin Mello. Tout sourire. Premier podium sur un championnat de France. Première sélection qui va en découler. Donc j'imagine que c'est un beau jour dans ta carrière. Vraiment pas. Et puis en plus, il y a la sélection. Alors c'est une belle matinée pour moi. J'ai pas passé les meilleurs jours de ma vie là, ces derniers temps. Mais je sais pas, ça m'a donné de la force pour aujourd'hui, donc je suis vraiment très heureux. Je réalise pas trop là. On est très content pour toi, parce que ça faisait 2-3 ans que tu étais presque à la limite, et puis je crois que t'étais pas un grand descendeur, et finalement aujourd'hui je crois que t'as fait des super descentes. T'étais dans le bon wagon avec un groupe de 5 là, peut-être c'est un peu plus facile de suivre que de mener dans les descentes pour toi encore, mais je pense que t'as fait des gros progrès, et c'est aujourd'hui là que t'as gagné ta médaille d'argent. Bah, tu le sais bien, on a bien couru souvent ensemble les dernières années. Tu voyais bien que dans les descentes, je vais être un des plus mauvais du peloton. J'ai beaucoup travaillé ça cet hiver, et je suis très content que ça ait enfin payé. Donc voilà, c'est une super réussite. Je remercie mes entraîneurs Simon Tissier et Thomas Lamblanchet qui sont pas anodins dans cette performance aujourd'hui. Bien sûr, on souligne alors chaque coureur a son entraîneur personnel, mais bon, Thomas qui connaît bien la course nature. Et ben, ça nous fait très plaisir de revoir un Clermontois, en tout cas en équipe de France. Et puis par équipe, je ne sais pas, vous avez peut-être aussi joué le podium. J'espère. Il y avait Boris, on ne l'a pas trop vu, Boris Orlac, dans le live. Ouais, peut-être une mauvaise journée pour Boris, ouais. Mais en tout cas, ben, bravo Quentin. Merci Julien. On a hâte de te voir avec le beau maillot bleu, blanc, rouge. Merci beaucoup Julien. Et ouais, bravo pour tous les progrès que tu fais. Je pense que c'est qu'une étape encore. Il y aura des... J'espère des médailles encore plus belles dans les années à venir. Tu es encore assez jeune, toi, la petite trentaine. Je suis loin, mais j'ai pas encore 30 ans, tu vois. Donc voilà, tout l'avenir. On a vu Thomas Cardin qui est un athlète déjà un petit peu installé. Quentin Mello, un jeune athlète qui est un ancien cycliste, mais qui est un jeune athlète dans le domaine de la course à pied. Alex Finn, des jeunes. Donc moi, j'ai mon conscrit, comme on dit chez nous, Manu Messa, qui sera le quatrième de l'équipe. Et ben, ça va faire un beau mélange des générations et un beau renouvellement en tout cas. Je laisse le micro à Pierre peut-être.
Merci beaucoup. On va rendre l'antenne. Je vais demander à une partie de l'équipe de venir. Valentin, Muriel, venez là pour... voilà, on va demander à Simon. Allez, viens Simon. Voilà. Olivier, viens. Voilà, on va rendre l'antenne tous ensemble. Voilà, peut-être avoir, je voulais vous dire, donc on a passé un moment extraordinaire. Une course championnat de France vraiment, vraiment magnifique. Merci beaucoup hein, donc pour l'accueil. Merci à la directrice de course. On a franchement, c'était des courses. Et un championnat de France, on a vu jusqu'au bout de la bagarre. Donc c'était vraiment très très bien. Merci beaucoup. J'en profite, je remercie donc les équipes de production de 8 Mont-Blanc, Damien et Xavier qui étaient là depuis Annecy, qui ont réalisé les équipes sur le terrain, donc Théo qui était ici avec moi au départ, à l'arrivée. Ensuite, dans l'ordre, alors ils ne sont pas tous ici, mais vous avez vu Mathis qui a fait les départs et les montées. Ensuite, Simon qui est là. Merci à toi, Simon, qui a pris le relais. Ensuite, on a pu voir donc Jeanne et Hugo dans cette montée. Ensuite, on avait Drone avec d'ailleurs, voilà, Gontran qui est à l'Office du tourisme du Dévoluy qui nous a montré ces images magnifiques avec Timothée Molinier qui l'accompagnait. Ensuite, dans la descente, c'était vous deux, donc j'allais dire les cadreurs locaux de l'étape, Nico et Valentin, voilà, tous les deux. Merci à vous deux, on a vu là cette descente. Mathis qui a pris le relais, voilà, donc c'était l'équipe. Merci aussi à vous deux de nous avoir fait vivre. C'était vraiment, voilà, votre expertise, tes conseils, c'était très intéressant. Merci à la Fédération Française d'Athlétisme. Merci à toi, Olivier. Il y avait Laurence aussi qui était là. Merci à vous, on était très heureux. Peut-être le mot de la fin à toi, le dévolui. Et on était, voilà, super dev ici. Franchement, on n'a pas vu de pluie. Il fait un temps magnifique, il fait doux maintenant. Et c'était très, très agréable. Je crois que tu as tout dit, de remercier les uns et les autres. On est vraiment ravis de cette édition, ravis que ce soit déroulé sous un temps propice à la course à pied. Et au-delà de ça, de beaux souvenirs pour chacun d'entre nous, je pense. Donc merci à l'ensemble des équipes, merci à la FFA et à bientôt peut-être. Et on sera de nouveau nous dans les Alpes du Sud le week-end prochain, samedi, pour le trail de Haute-Provence, l'autre département des Alpes du Sud. Et on sera là-bas en direct de Fort-Calquier pour vous faire suivre le trail de Haute-Provence. Samedi prochain, il y aura un départ aux alentours de 5h du matin. Voilà, on vous fera vivre, il y aura encore 2 fois 4 heures de live samedi prochain au THP. Merci en tout cas, bravo, ciao, à très vite.